forêt retrouver donc en priorité l'enfant, puisque Gwenaëlle, grâce à Rioul, sa chauve-souris, nous avons pu trouver où se trouvaient les gobelins avec le bétail, mais on a décidé de suivre une autre trace et on est tombé sur un hobgoblin, un gobelin un peu plus costaud qu'on a quand même fini par poutrer. Voilà à peu près où on était. Ok, nice. Mathieu, t'es là du coup ? De quoi ? C'est bon, t'es là, t'es prêt ? Ouais. Ok, on t'entend très peu, hein. Je sais pas si tu parles à 3 mètres du micro. Ouais, hein, là c'est bon ? Ouais, là ouais, c'est bon, ouais. C'est comme, ouais ça c'est, bon. C'est comme ça qu'il faut faire, hein, tout le long normalement. Ok, donc du coup vous étiez. Et puis, ouais, faudra que tu baisses la sensibilité de ton micro, hein, parce que sinon on va entendre la musique encore. Donc du coup, ouais, ce que je disais. Effectivement, vous veniez de buter un hobgoblin. Et vous vous remettiez en route, du coup, en suivant les traces des gobelins que vous aviez pris en chasse. Et les traces vous amènent en direction d'une carrière. Ah, tiens, attends, je coupe la caméra, j'avais pas vu qu'elle était allumée. En direction, en fait, d'une zone rocailleuse. Vous voyez une falaise avec pas mal de buissons, d'arbustes et de blocs de roche. Le terrain monte et descend sur de petites vires rocheuses. Je vais vous demander du coup les de... Les couleurs aussi se pratiquent... Quoi ? Ah oui, oui, oui. D'ailleurs Thomas, tu pourras te mettre un point de chance au passage pour le résumé. Et du coup, je vais vous demander de faire. Ah, parce que sur la carte, celle-ci, j'ai laissé en pied. C'est pas en mètre. C'est pas grave. Comment on fait déjà ? Je vais vous demander à tous de faire un test de sagesse, s'il vous plaît. Pour commencer. Avec Discord, j'entends pas tout. Là, en tout cas, on n'entend plus Monsieur Avrock. Ça, c'est sûr. Ah. C'est ça. Ah, comment tu fais déjà pour faire des... Q ! La lettre Q ! Ah oui, c'est vrai, pardon, merci. C'est déjà enregistré. Bah. Ah oui, on entend. Bon. Ouais, bah la sensibilité du micro, je l'avais trop monté apparemment. Un groupe de Suédois. Une fois qu'on est tous là. Connu notamment par Gimmy Gimmy. On voit plus rien. Donc, on fait des pieds. Hein. On va être dissipé là, ça va pas du tout. Je disais, vous êtes en vue d'une falaise. Il y a pas mal de dénivelé, ça monte, ça descend. Il y a des cailloux, des arbustes et tout. Je vais vous demander de faire un test de sagesse, s'il vous plaît. Ah, ça commence mal. Ça commence fort. Sagesse. Ne meurs pas, hein, Gwen. Oh non. Alors, j'ai pas. Je vois que vous êtes en forme en plus ce soir. Ouais. Il y a une falaise, donc c'est juste pour voir la falaise, hein, c'est ça ? Bah, je t'ai pas dit c'était pourquoi. Calme-toi. Bon. Calme. Je comptais sur toi, Bale, pour me rattraper, bah c'est un peu mal barré. Oh bah, c'est pas avec ma force que je vais faire grand chose. Hein. Et mon 1m80 est ramassé. Il manque plus que Siobhan. Ouais, j'ai un problème, c'est pas très grave, je vais le résoudre. Hop. Ok. Bien joué. Alors, heureusement que les elfes carrient, j'ai envie de dire. Donc, ce qui se passe, c'est que donc au détour d'une petite montée dans la roche, vous apercevez Siobhan, voit en premier et puis indique le passage à Silno qui venait de le repérer à ce moment-là. Vous voyez une petite aspérité, une petite ouverture dans la roche au détour juste derrière un buisson, c'était plutôt bien dissimulé et vous voyez un boyau comme ça qui s'engage assez sombre. Que faites-vous ? Donc pour vous réindiquer, les traces en fait de pas que vous avez suivies s'arrêtaient proche de ce coin
pas au niveau de la falaise là du boyau que vous voyez, mais plus en contrebas, et vous c'était assez difficile d'évaluer où ils étaient partis après, parce qu'après c'est de la caillasse et tout, donc il n'y avait plus vraiment de traces. Et du coup là on a quoi comme choix? Ah bah ce que vous voulez hein. Est-ce que ça vous dit on envoie Yul? Ouais, bah ouais. Carrément. Elle connaît bien les grottes, elle connaît, elle vient de là donc. On est censé voir une falaise sur Roll20. Non, là vous êtes sur la page d'accueil pour l'instant. Ouais. Ok. D'accord, ok. Envoyer la chose. Elle est carrément faite pour ça, pour le coup. Ouais, alors, voilà. Je vais remettre un peu de contexte parce que je crois que de mémoire, la chauve-souris n'était pas avec vous, il me semble. Hein. Peut-être je dis une connerie. Ah bon ? Et alors, il me semble que... Alors, attendez, je vais vous redire où on en était. Vous étiez parti du village en début de matinée, aux alentours de 7-8 heures. Vous aviez avancé dans le sous-bois. Et vous aviez atteint une première zone où il y avait plusieurs traces de pas, plus d'une trentaine. Et à cet endroit-là, vous l'aviez atteint aux alentours de midi. Et vous aviez envoyé la chauve-souris repérer les traces de pas. Voilà, exactement. Ouais. Et vous étiez allé vers le nord. Mmh. Et là, il y a à peu près en fin d'après-midi, début de soirée. Oui, mais nous avons rejoint. Oui, mais. Vous avez dit qu'elle était revenue. Elle était là pendant le combat. Okay. Pendant le combat, elle était sur l'épaule de Bale. Ok, ouais. Parce qu'elle serait pas revenue. C'est peut-être moi qui me suis planté. Elle serait pas revenue aussi vite. Hein. Il y avait quand même de la distance. Mais ok. Mais sinon, on peut changer. Hein. C'est pas grave. On peut dire non, qu'elle non, est pas non. Là. Non. Vas-y. Elle est avec toi, du coup. Si j'ai fait une erreur, okay. C'est si vous dites que je me suis trompé. Oui. Me trompe pas, bah elle était effectivement lors du combat. Donc ouais, mais ça c'est possible que j'ai mis le token sans faire gaffe. Mais si j'ai dit qu'elle était revenue, on va rester là-dessus. Ok. Alors. Alors bête hein. Non, pas du tout. Ça marche. Eh ben on envoie Riul. Okay. Alors je vous switch sur la truc et. Je vais vous mettre le token de Riul. Du coup. Alors, je vois un truc, mais je sais pas ce que je vois. Là, pour l'instant, vous voyez tout noir. C'est ouais. Ça. Je vois pas totalement tout noir. Je vois une petite partie. Je vois un couloir. Une droite à gauche. Moi, ouais, je vois tout noir aussi. Mais je vois pas mon personnage, par contre. Je vois personne, en fait. Ah, je vois un. À droite, je vois des trucs à droite maintenant. Ouais, tout à droite. Ah, tout à droite, ouais. De toute façon, je vais vous mettre les tokens. C'est le début de la grotte, ça. Je avance un peu, Riul. Rien du tout, mais. Je vois à l'argon, si tu veux, Avrok, je peux streamer dans Discord ce que moi je vois, comme ça, si t'as besoin de voir à peu près ce qu'on voit. J'ai la possibilité de le voir, ça. D'accord. Je peux le voir. Vous voyez en tout gris? Non. Moi je vois le passage où on est tous les cinq. Ouais. Avec Riul devant. Ok, bah go, ok. Donc bah vas-y du coup, qu'est-ce que tu fais avec... Donc t'envoies Riul, hein, c'est ça? Ouais, histoire qu'elle nous dise en direct ce qu'elle voit en avant. Ok. Donc la caverne elle est assez... c'est assez restreint. Hein. Donc du coup elle fait quoi? Elle vole... Elle vole à quel niveau? Vers le plafond? Vers le sol? Elle essaye d'être discrète? Elle vole en plein milieu? Faut que tu me décrives un peu. Ok, ça marche. Bah, l'idée, ce serait que elle essaie de se faire discrète, qu'elle reste plutôt le plus haut possible. Ouais. Parce que je me dis que s'il y a des pièges et que c'est activé au sol, j'aimerais bien qu'elle se le prenne pas avec ses 3 PV. Mmh. voilà, qu'elle avance, mais... doucement quoi, qu'elle fonce pas comme une furie dans le couloir sans savoir où aller, histoire qu'elle se prenne pas un truc sans trop regarder. Alors vas-y, tu peux l'avancer tranquillement du coup. Tu me dis stop hein, si. Vas-y. Ah. Il y a peut-être un truc que je suis pas censé voir, mais j'ai vu un truc. Bah vas-y, dis-moi ce que tu vois. Je vois une bestiole sur la droite. Ouais.
Alors en fait, là, Rioul, donc du coup, elle t'informe que à une hauteur de à peu près 50 cm, t'as des alors elle te le décrit, elle dit il y a des trous en gros, en fait, elle te décrit pas les trucs, c'est toi qui perçois à travers ses sens, hein. Donc du coup, Oui, c'est ça. tu vois des espèces de meurtrières dans la roche et tu vois Ok. des créatures derrière. Tu aperçois des créatures derrière. Ok, bah du coup je le dis aux autres. Ok, donc tu leur transmets l'info. Je leur transmets l'info et je la garde pas pour moi. Je fais revenir Rioul plus loin. S'il y a déjà ça maintenant, c'est sûrement qu'il y a des choses après. Je demande quand même aux autres ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle explore tout? Mais en même temps, j'ai peur un peu qu'il lui tombe dessus si jamais il la voit. Moi, je suis un peu. Bah ouais. Je le tape dans le dos de Déter, je lui dis vas-y, tu vas en premier. Tu passes le premier. Donc, vous pensez vaut mieux qu'elle explore tout et qu'elle revienne après? Ou là, on a déjà des infos et. Non, On peut vaut essayer mieux de qu'on se joue la avec ça. sécurité, que tu la Ouais, rappelles, puis. rappelle-la, parce qu'elle Ok. va se faire bouffer par des On pourra toujours la renvoyer en avant une fois qu'on Ouais, on va l'aura. avancer petit à petit. Alors, Ok, bon, dans petite tous les précision. cas, on peut. Petite précision. Là, je vous ai tous mis au bord de la carte parce que dans la grotte, en fait, parce que il fallait que vous ayez la vision. Mais on est d'accord, pour l'instant, vous êtes dehors, hein, c'est ça? On est Ouais, dehors, oui. voilà. Ok, d'accord. Alors, donc vous faites quoi du Donc, coup? c'est vu que c'est gardé avoir des choses. Elle sait ce que c'est ou pas comme bestiole? Elle peut me la... Enfin, qu'est-ce que je vois moi au travers de ses yeux? Tu veux qu'elle refasse un check pour voir plus précisément? Ouais, non, ça vaut pas le coup. Comme tu veux. En tout Ouais, non, cas, j'ai pas envie qu'elle se prenne un truc. de mon Je la côté, moi, rappelle. je mène un carreau d'arbalète. Enfin, j'arme mon Ouais, arme, on quoi. se Mon met arbalète. en place, quoi. Ouais, pareil. Ok. Idem, arcane. Ok. Donc, vous avez vos armes à la Alors, main. là, ce que je pourrais. Ouais, j'ai une question. Du coup, dans notre petit groupe, il y a moi, Déter, on voit pas la nuit. Alors, Dans cette y a que moi grotte, qui d'accord, entends avec la Suzanne lumière. qui entend Ouais, la non, juste laguer. de son. Difficile de comprendre, ouais. Ouais, Gwen, Problème on de. t'entend beaucoup laguer en fait. Ah merde, attends. Essaye de faire peut-être une déco reco Discord. Ouais, non, mais je sais que j'ai des problèmes d'internet chez moi, c'est peut-être ça. Donc pour remettre bien, donc vous avez cette espèce de trou obscur et dedans il fait Est-ce noir que c'est complet. mieux là? Ouais, ça a l'air. Ça va Bah, mieux. pour l'instant. Ok. Bah, vous me dites, hein, n'hésitez pas, parce D'accord. Ouais. que ça arrive souvent. Donc je disais, vous avez cette espèce de trou, il fait nuit noire dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais en même temps, si on arrive avec des torches, il n'y a pas plus grillé, quoi. Bah ouais. Donc, bah, peut-être que les elfes devraient passer devant, quoi. Le problème, c'est que les elfes, on est Parce que, au des. pire, moi j'ai une corde, on peut mettre les elfes devant, et avec la corde on s'attache. Ça Pour un change quoi? combat, c'est galère, mais. Et ça rapporte On n'y quoi? verra pas grand chose dans la grotte non plus, faut qu'on soit en plein jour, Ok. enfin Ah en oui, c'est vrai, bah, c'est en extérieur, pardon. et Ah puis oui, c'est vrai. Bah sinon, si on met les elfes devant et on tire la corde à la main, tu sais, chacun tire la corde à la main, comme ça permet de Je guider. Je regarde bizarrement, mais je me dis c'est quoi cette idée de corde là? Mais je veux pas de ta corde, ça paraît Je vraiment comprends chelou pas comme l'idée, idée. quoi. Non, j'ai pas très envie de me faire attacher aux autres non plus. Je veux bien passer devant si vous voulez. On pourrait avancer doucement simultanément avec des terres par exemple. Est-ce qu'on pourrait pas d'abord inspecter les alentours de la grotte plutôt que d'y rentrer déjà pour voir s'il n'y a pas d'autres accès par exemple? Ouais. Bah toi tu sais faire ça en plus. Ben voilà, donc je vais faire un tour à l'extérieur de la grotte et je vais inspecter les alentours pour voir si je ne détecte pas d'autres accès. Alors, là il est à peu près, on va dire, 19 h, à peu près, donc la nuit commence à tomber. Toi ça te gêne pas, tu vois bien. Tu prends combien de temps pour fouiller, Crevius? Parce que c'est vaste, hein. Moi il faut que je sache à peu près la distance que tu vas parcourir, donc si tu me dis à peu près le temps que tu y consacres, je saurai à peu près ce que ça peut donner. Une vingtaine de minutes. Ok, d'accord.
A priori, pour l'instant, tu vois pas de. T'as pas trouvé d'autres. Attends, tu vas quand même me faire. Attends, je vais quand même faire un... plutôt à ta place un jet de perception. Ouais, non, tu détectes pas d'autres entrées pour l'instant. Est-ce que là, on peut détecter, voir s'il y a d'autres traces de gobelins dans le coin? Tu disais tout à l'heure qu'il y avait comment dire, des graviers et tout, mais devant la grotte, est-ce qu'on peut détecter des trucs? Tiens, bah fais-moi un test de perception, un autre alors. Oula, moi je veux pas être très douée pour ça. Perception, c'est quoi déjà? Sagesse. Sagesse, ouais. Sagesse, ok. Ok. Non, a priori, tu vois rien de plus que ce que je vous ai décrit. Ça marche. Ouais, donc en fait, on est même pas sûr que ce soit l'endroit où il faut aller, quoi. Et est-ce qu'on pourrait peut-être, je sais pas, essayer d'enfumer la grotte avec une torche, de la paille, des branchages qu'on peut trouver à l'extérieur? Faire sortir tout ce bazar? Bah, au moins les premiers, si pas forcément ceux du fond, mais au moins les premiers. Ouais, parce que je pense que c'est sûr qu'il y en a. Il y en a plusieurs. L'idée de voir des elfes sylvains buter des arbres pour cramer, ça me paraît bien. Moi, j'aime bien l'idée. Moi, j'approuve. Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'enflammer une flèche pour la jeter dans la grotte pour enflammer la zone autour de la flèche? Le petit bois qui est au sol, il est plus vivant, donc tu peux utiliser du petit bois. Non, mais sinon, on y va et on casse des gueules et on assume et on y va, mais au moins, on est préparé. Ouais. J'aime bien cette idée. Bah. Mais alors, je propose que les corps à corps passent devant, parce que à distance, dans une grotte aussi. Ouais. Ça tombe bien, j'ai une arbalète. Ok. Alors, du coup, qui c'est qui passe en premier? Déter. Vous allez tous me faire un test de dextérité, difficulté 10, s'il vous plaît. Dextérité. Yep. Zut, j'en ai lancé. Non, j'en ai un. C'est... Oh. Ça commence bien. Toi, t'as pas fait. Nadine, il avait pas fait ses lacets. C'est ça. Si Nadine, tu vas me le relancer parce que t'as un rôdeur et je pense que tu te serais pas quand même. Fourvoyé à ce point-là, surtout que déjà la dernière fois tu t'es craqué, donc ouais, voilà. Ok, bon bah si. Donc Sylnodine, en avançant, il fait tomber une petite pierre qui dévale en bas du tunnel. Et j'ai eu le test de dextérité de d'éther, je crois. Donc il y a la petite pierre qui roule. Vous percevez pas de. Vous percevez pas de bruit ou autre, a priori pour l'instant pas de conséquences. Mathieu, t'es là? Il est mute. Ah. Mathieu, tu t'es mute. Je sais pas si tu parles. T'es mute, toi. Ah bah si le tank il est pas là, ça va être compliqué. Oh, on a besoin que de sa carcasse, hein. Il avance. C'est vrai. Moi je porte pas ça. On fixe... Non mais on le fait rouler. Ouais, c'est ça. On le met en bout, il y a un peu de terre dans la pente. On prend Ryu, les Ryu, on l'attache à une corde, à un des terres et tire des terres, tu vois. Et on le fait rouler, on fout le feu et... On lui fait une forme de boule, ouais. Ok, je vais faire le test pour lui. Ok. Bah, Déter aussi fait tomber une pierre un peu plus grosse qui, elle, fait un peu plus de bruit. Super. Un rocher, quoi. du coup, qu'est-ce que vous faites pour la lumière? Parce que là, j'ai bien compris que Déter passait devant, mais après, pour l'instant, vous avez toujours pas de torche ni rien. Bah, ce qui est certain, c'est que si on avance, il faut qu'on soit éclairé. On peut pas avancer dans le noir. C'est...
Bah oui, non, mais là on va prendre. Tant pis, hein, on va être moins discret, mais on prend des torches. Par contre, moi, ouais. je suis déjà avec ma fronde. Je propose que Déter prenne une torche et son bouclier, comme ça il bloque le passage, quoi. Bien. Ok. Et il éclaire étant donné qu'il se prend. Ah, Déter ? Culture ? Ah, bon, voilà. Il avait disparu. Du coup. Ça date pas, Déter. Ça date pas, voilà, c'est ça le principe. Déter, je te file une torche que tu vas contrôler. Ouais. Ça veut dire qu'on a la torche d'un côté et on n'a qu'une main pour le reste, quoi. Bah lui, avec une main pour le reste. Attendez, je me reconnecte. J'arrive. Je suppose qu'une torche pour tout le groupe, c'est peut-être pas assez. Je me reconnecte sur le jeu parce que j'ai la lumière qui est si pas bien. Si on reste groupé, on va pas éclairer plus loin avec plus de torches, quoi. Non, c'est petit. Moi, ça me va, hein. Bah à ce moment-là, peut-être que moi je peux prendre la torche plutôt que lui, parce que lui il a sûrement besoin de son bouclier et de sa. À la rigueur, non, il faut son bouclier. Et moi après, je prends ma fronde. J'ai mon bouclier dans ma main gauche et la torche dans la main droite. Hein. Ouais, mais comment t'attaques ? Oui. Bah ça c'est pas grave, ça, je peux faire tomber la torche et, avec mon épée. Ouais, ok. Ok. Allez, bah donc du coup, vas-y. Tu peux y aller, Déter. Donc du coup. Jusqu'à où ? Alors. Ça aurait pas été mieux de mettre Bale devant s'il y a des pièges ? Non. Bah vu que t'étais pas là, a priori c'est la décision qui a été prise. Alors derrière l'entrée, la lumière baisse rapidement. Une grotte ténébreuse s'enfonce dans les profondeurs de la terre. Les échos de conversations gobelines parviennent jusqu'à vous. Donc c'est bien les gobelins. Ok. Ah, j'aurais dû apprendre le gobelin en deuxième langue. Putain, moi ouais, aussi, je te grand jure. Chose. Ça aurait été utile, je les aurais tous ok. Bon, tu peux t'avancer des terres. Tu peux t'avancer à peu du près jusqu'à là. Du coup, on est dans quel ordre, nous ? On suit cet ordre-là pour avancer ? Des terres, ouais. Sylnodine, Belle et moi et Gwenel ? Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est le mieux qu'on puisse faire, je pense. Moi, je longe le mur à gauche pour... avoir un angle de vue plus important. Vous rappelez-vous, j'ai dit qu'il y avait une bestiole par là, hein, ouais. À droite. Hein. Là, t'es en plein dedans des terres, t'es allé trop vite. Bah ouais, mais. Donc, ce qui se passe, c'est que pas chaud, hein. Là, des terres a avancé en plein en vue de la meurtrière. Et donc, du coup, je vais vous demander de lancer vos initiatives, s'il vous plaît. Initiative. Ta-da-da. Alors attendez. Hop. Ok. Attends, c'est où ça, initiative là ? C'est 17 plus 1 des 6, c'est ça ? C'est votre score de Dex plus 1 des 6. Tout à fait. Bon, ça marche de nouveau pas. Parce que vous l'avez fait peut-être un petit peu trop tôt, mais c'est pas grave, je vais vous les mettre à la main. Vous en faites pas. Je vous mets à la main. Et vous me les mettez. Vous mettez vos scores. Vous êtes grand, je vous laisse gérer. 3, ça fait 21, hop. Attends, bah alors. Initiative plus indécis, non ? Oui. Mais merde. Et. Ah, quand même. Mais j'ai pas le temps de le saisir que ça revient à zéro. Rapide. Ah, voilà. Tac tac. Terrible ça. Ok. Ouais, à 25 le gobelin. Et pour une fois que je suis pas tout devant. 25 ouais. C'est... 25 parce que vous avez fait du bruit. Ah. C'est vrai qu'on a pas dit qu'on était 10. Ok. Par rapport au pire. Donc, du coup. On envoie la chauve-souris pour rien. Ah non, non. Alors. T'as combien en def ? T'as 18 ? Qui ça ? Moi ? Ouais, de terre.
Ouais. Ok. Donc tu te prends un carreau d'arbalète. Tu prends 5 points de dégâts. Tu l'avais pas vu, tu te le prends dans l'épaule droite. Thomas, à toi. Bale, à toi. Je me déplace histoire d'être derrière des terres et avoir la ligne de vue sur sur le gobelin. Ouais. Et puis je tire un marqueur d'arbalète. Vas-y. Joué. Ok. Tu lui tires en plein dans la dans les deux yeux là. Et t'entends. Sioban. Je vais faire quelques pas en avant pour voir s'il y a d'autres bestioles. Vas-y. Donc j'avance et au niveau de bah pareil, j'essaie de me mettre derrière des terres. Ouais. Il y a du monde. Ok. Tu vois que le cadavre du. Tu vois le cadavre. Ouais. Le tu vois que le gobelin là. Avec son carreau okay. Et du sang qui commence à ruisseler vers vous. Ok, est-ce qu'il y a moyen que je fasse une sorte de jet de perception aussi pour voir s'il y a d'autres dangers autour de nous ? Vas-y, tu peux. Ok, c'est quelle caractéristique du coup ? Sagesse. Sagesse ? C'est le Nodine à toi. Tu perçois rien. Tu vois pas tes genoux. Donc, moi, je vais me déplacer en vitesse en avant pour aller un peu plus loin, voir s'il n'y a pas d'autres accès là où ils sont, parce qu'on ne peut pas passer par la meurtrière, on est d'accord ? Ouais. Donc, vas-y, dis-moi à peu près où tu veux aller, en pointant. Ici, attends. Ici, au coin, là, il semble y avoir un coin. Attends, ici, là. Ouais, ok. Voilà. Vas-y, et tu me fais un test de dextérité, s'il te plaît. Avant ou après ? Avant. Un test de dextérité. Tac, dextérité. Paf. Du coup, je me déplace. Ici. Et je vois une grosse bête. Tu vois par derrière. Attends, faut que je compte. Du coup, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Eh ben, tu vois une bête qui te voit aussi. Ah. Et du coup, on va lancer son initiative à elle aussi. Et... 3. Ok, tout ce qui est discrétion, on a foiré. Hein. 20, 25. 25. Ok. Mais elle commence autant. T'as fait combien en déplacement, Silno ? J'ai fait 13 mètres à peu près. Ok. Du coup, tu souhaitais faire quelque chose après ton déplacement ? Je vais lui balancer une flèche. Ok. À cette bête. Donc, je te lis quand même la description. Au moment où tu arrives à l'angle, t'as un sursaut. Cette créature ressemble à un énorme loup noir trapu, deux fois plus massive, avec une gueule à faire fuir la mort. Une grosse chaîne lui sert de collier, un écriteau de bois, manifestement volé, pend à son cou. Il indique « Attention, chien méchant ». Ok. Vas-y. Eh ben, parti. Ça commence bien. Ok. Donc de stupeur, tu lui tires dessus, mais tu vois que l'épaisse fourrure
permet de d'éviter la blessure. Elle bouge à une vitesse surhumaine. Et du coup, elle te bondit dessus. T'as combien en défense? J'ai 15. Ok, elle te touche. Aïe aïe aïe. Ouf, elle te saute à la gorge direct. Elle t'arrache un bon morceau. Tu prends 8 points de dégâts. Ok. Bon. Durant l'assaut, ça, durant l'assaut, tu t'as pas pu t'empêcher de remarquer qu'elle avait quelques entailles déjà. D'accord. Suzanne, à toi. Bah, en fait, moi déjà je suis pas au courant de tout ça, je suis trop loin, donc je vais me rapprocher. Est-ce que t'as des baies, Suzanne? Tu es à 20 mètres. Ah, c'est pas moi qui ai des baies. C'était moi les baies, mais non, j'en ai pas. Merde. Moi je viens avec ma chauve-souris. Mmh. Moi je vais l'envoyer. Est-ce que c'est possible de l'envoyer là par par la meurtrière? Oh ouais, elle passe largement, elle. Voir ce qui se passe. Ouais, pas de problème. Pareil, elle vole haut. Ouais, ok. Et discrètement, quoi. Elle essaye de se faire discrète. En avançant quand même jusque là où je suis passé devant une deuxième meurtrière. Mmh. Pas raison de plus pour savoir ce qui se passe derrière. Quoi. Voilà. Les meurtrières, pour rappel, elles sont à 50 cm du sol. Hein. Ok. Bah voilà, du coup j'envoie ma petite. Ouais, vas-y. Ah, elle peut pas passer là. C'est bloqué. Si elle passe, c'est voilà. Le A de. Elle voit quelque chose qui. Donc il y a une autre bestiole derrière l'autre meurtrière. Ok. Très bien. Et il y a un escalier au bout du couloir. Donc il y a d'autres choses derrière. Elle peut revenir là ou faut attendre le prochain? Je vais te dire tout de suite. Déjà si elle est vue. Donc du coup, t'étais à peu près là. Ça faisait 10. Non, elle peut revenir. Ok. Bah je lui demande de revenir. Ok, vas-y. Et du coup, je dis aux autres qu'en avançant, il faut faire gaffe qu'ici, il y a un autre gobelin quoi, qui pourrait nous tomber dessus. Okay. Ok. Voilà. Ça marche. C'est ton action, ça, je suppose? Oui, et je leur demande d'être discret et qu'on essaye de... Enfin, remarque, on a été remarqué, mais que voilà, on essaye au moins de marcher discrètement. Quoi. Ok. Voilà, c'est tout. Déterre à toi. Ok. Bah, du coup, ayant pris l'information de Gwenaël, comme quoi il y avait un gobelin à ce niveau-là, je me dirige par là-bas. Ouais. Si je pose ma torche, ça fait quoi? C'est une action de quoi? C'est, par exemple, si tu posais ta torche et que tu dégainais ton épée, ça serait ton action de mouvement, par exemple. Ou ton action d'attaque, enfin, ça te prend une action quoi sur les deux. Bon. Après tu pourrais te déplacer ou tu pourrais attaquer, l'un comme l'autre. Là je peux pas attaquer. Là tu peux pas attaquer, t'as personne devant toi à attaquer. Ah ouais. Mais s'il y avait quelqu'un, tu aurais pu. Je pose ma torche ici. Ouais. Et je me mets là en position défensive. Ok, t'as sorti ton épée ou pas? Là je peux pas, puisque j'ai posé la torche. Je me suis déplacé, j'ai posé la torche et je me mets en position défensive. Ok, d'accord. Vas-y, c'est bon. Tu peux sortir mon épée? Ouais, vas-y, je te l'autorise. Ok, je sors mon épée et je me mets en position défensive. Ça marche. Ok. Alors, est-ce que lui, il a la vue sur quelqu'un? Non, il va se déplacer. Hop. Bon, je vais retirer le cadavre de l'autre. Hein. Ok. Ok. Sioban, tu vois
un carreau d'arbalète qui se fiche juste au-dessus de ta tête, t'entends. Ok. Je vais mettre. Je vais refaire jouer le. Le work dans le bon ordre du tour. Ok. Tu vois la créature, vous voyez au fond une créature énorme qui se rejette sur Sylnodin, qui se tient le cou hein, et qui pisse le sang. Super. Et... Tu m'as dit que t'as 15 en def? Ouais. Ah, t'as de la chance, ça passe pas. Thomas, Bale à toi. Alors moi je vais reculer un peu. Et je vais comme action, je vais recharger mon arbalète. Voilà. Ok. Seban. Je voudrais savoir les buissons qu'on aperçoit à l'entrée de la grotte. Est-ce que c'est des buissons je peux éventuellement faire pousser des trucs dessus. Ils sont vivants, c'est pas du bois mort. Attends, on va regarder. Oui, tu pourrais éventuellement faire pousser des trucs dessus. Ouais, ce sera pas. Non, c'est un vrai buisson. Ok. Vu l'état de la situation, je vais me dépêcher d'aller jusqu'à l'entrée de la grotte pour lancer mon sort de baie magique. Alors, attends, je vais juste regarder comment ça marche. Un des 6 plus le mode de sagesse. Ouais, vas-y, c'est bon. Je te l'autorise, c'est bon. Donc je me déplace jusqu'au buisson. 1 des 6. 4 et du coup t'as 1 en modificateur de sagesse, donc t'as 5 baies. C'est j'ai ça. 5 baies et pour ce qu'elles rendent. Ce sera un des 6 plus ton niveau, donc ça fait ce sera après c'est chacun à qui tu distribueras qui lancera un des 6 et on verra combien ça lui rend. D'accord. Mais là, t'as du coup 5 baies sur toi. J'ai 5 baies sur moi, ok. J'ai fait que 13 mètres dans ce sens-là pour aller chercher des baies, donc je vais faire 7 mètres dans l'autre sens pour Que tu puisses parce que en fait, c'est un déplacement. Ça va. Tu peux pas découper ton déplacement. Ah oui, plus le sort qui est mon. Ouais, je vais me noter, tiens, dans le Discord. Je vais me noter qu'il faut que je vérifie. Vérifier les déplacements. Et ben je reste là alors. Ouais, ok. Sylnodin à toi. Eh bien moi moi je vais essayer de revenir en arrière en prenant garde à ne pas me faire voir par les meurtrières. Ouais, comment tu t'y prends assez rapide, pour pas te faire voir par les meurtrières. T'as dit qu'elles étaient à 50 cm du sol, mais 50 cm c'est à partir de 50 cm du sol vers le haut ou elles sont en moyenne à 50 cm du sol? Eh ben par rapport au bas de la grotte, elles sont à une hauteur de 50 cm. Je sais pas si ça répond à ta question. La grotte. Ouais voilà, c'est ensuite elles sont quand même hautes ensuite. Oui c'est des petits trous hein, c'est pas des trucs immensément grands hein. Ok. Ou alors je cours. Ouais. Je cours jusque à peu près là. Et ensuite j'essaye de faire, enfin de glisser le plus bas possible en longeant ce mur là comme ça. Oui, je comprends. Je passe pas à droite. Et j'essaye d'arriver juste à côté de Déter. Ok, ça marche. Bah vas-y, c'est bon. Je t'autorise cette action. Tu peux tout à fait te baisser pour passer en dessous. Surtout que t'es petit, toi. C'est pas un problème pour toi. Aide. Et voilà. Et je pense que je vais utiliser une dose de la potion de Roderick. Parce que sinon au prochain tour je risque d'être inconscient, voire pire. Donc voilà, j'utilise une dose de la potion de Roderick. Vas-y. Tu notes bien dans ton truc et je crois qu'il y a donc du coup toi qu'on a utilisé une et Gwenaël en avait utilisé une il me semble. Ouais, ou non, Sioban. Non c'était pas moi, c'était pas moi. C'était Sioban. Voilà, donc je fais un jet de 10, du coup ça me. C'était un D8.
Oui, c'est un D8 plus 5. Ah. Il est déjà noté le 5, donc ça, ça t'as fait 5 okay. Et ça plus 5, ça te fait 10, ça te rend 10 points de vie là. Donc c'est t'es, ça. Fou, t'es full. Suzanne, à toi. Voilà. Gwenaëlle. Bon, on va tester la fronde. Je vais essayer de longer le mur là, me le mettre à peu près par là. Et essayer d'attaquer, mais ça va être compliqué de viser dans la petite lucarne, mais on va essayer. Ah, attends, j'arrive pas à prendre le bon truc. Hop. Tac. Et par contre, dans ma fiche perso, j'avais pas mis la fronde. Ah si, je l'ai mis. Parfait. C'est moi qui te l'ai créé. Je peux faire ça du coup ? Ouais, vas-y, vas-y. Ah, c'est gentil, merci. Est-ce que t'as visu sur le gobelin ? Tu veux tirer sur le gobelin, c'est ça ? Bah ouais, mais ouais. Je... Tu t'es déplacé trop. Je vois pas apparaître en fait. Non, attends. Attends. Ici. Non. Bouge pas. Ah, dans celle-ci, d'accord. Ok, je croyais que c'était dans l'autre. Ça marche. Ok. Go la fronde alors. Fumble quoi. Oh là là. Échec. Chance. Arrête, je me fais un point de dégâts. Non, tu pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est les points de dégâts que tu peux faire potentiellement. Ton jet passe. Ouais. Il y a aucune conséquence là pour ce cas-là. Ton caillou, t'as plus trop la main, mais tu sais te servir d'une fronde. C'est une armure qui est beaucoup utilisée par les bergers. C'est une arme, pardon, qui est beaucoup utilisée par les bergers pour faire fuir les loups. Et par ton passif, du coup, tu t'en as utilisé déjà. Donc, tu sais, mais c'était un peu rouillé. Ça fait longtemps que t'en as pas utilisé, que tu reposais sur tes pouvoirs d'habitude. Déter à toi. Ok. Déter à toi. Ouais. Inodin, derrière le loup, il y avait d'autres gobelins ou pas ? Alors, plus loin dans la grotte, oui, mais ils étaient encore loin. Enfin, j'en voyais un, en tout cas. Mais bien plus loin. Là où il y a le loup, il y a rien d'autre. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu. Bah, je me mets en position défensive maximum, là. Je m'accroupis bien derrière mon bouclier. Ok, c'est tout ce que tu fais. Allô ? Ouais, c'est tout ce que tu fais. Ok, d'accord, ça marche. Ouais. Sans bouger de position, ok. Du coup... Alors, ok. Suzanne, tu prends un carreau d'arbalète. Ah mais non, attends, je suis con. Ouais. Non, attends. Attends, t'as de la chance. Faut qu'il recharge. T'étais morte, sinon. Je te le dis. Bah oui, c'est clair. Il a tiré autour. Passe loin, passe loin. Ah putain, oh là là. J'ai failli me faire avoir avec l'arbalète. Attends, j'avais dit c'était une action d'attaque pour recharger. Ouais, c'est ça, Thomas, que je t'ai dit. C'est ça, ouais. Oh là là, le bonheur. Oh, putain, alors, je suis trop content d'entendre ça. T'as de la chance. Vraiment que tu recules. Hein. bon, bah, donc du coup, le gobelin recharge. Hop. Je vais juste. Ok. Alors, attendez. Je vais juste voir là-dessus. Alors, on va dire qu'on vous a entendu, quoi. Ok, vous avez de la chance. Hop. Voilà. Et elle. Hop. Donc la bestiole fonce sur la source de lumière et se jette sur des terres. Ok. Elle se jette sur ton bouclier. Elle n'arrive pas à passer ta défense. Bail à toi. Bah je lui décoche une flèche d'arbalète. À la bête. À la bête, vas-y. Évidemment, pas à des terres. Pas à des terres. Plus tard, peut-être des terres. Ouais. On va pas commencer, hein.
Ok, ça passe pas. T'arrives pas à... T'as le carreau qui passe juste au-dessus d'elle, elle bouge trop rapidement. Se Je ban à toi. passe. Je me déplace à côté de Bale Ouais. et j'essaie de tirer Vas-y. sur la bestiole avec mon arc. Oh. Ah ben dis donc. Ok. Bon, toi t'arrives à planter la bête par contre. Mais du coup, ça a pas l'air de lui faire beaucoup de dégâts. Sylnodine à toi. Eh bien, moi aussi, j'essaie de lui balancer. Ah, par contre, attends. Je suis en contact, ouais, mais avec ma force de merde là. Je risque de pas faire grand-chose. Bon, allez, si. J'essaye. Ah, mais si je change d'arme, ça va me prendre un tour, non? Ouais. Enfin, ça va pas te Ouais, prendre un tour, donc. mais ça va te prendre une action de mouvement. Ah! Bon, alors, je change d'arme. Ouais. Je prends l'épée longue Ok. et j'essaye de lui, enfin de profiter du recul subi par son attaque sur le bouclier de Déter pour lui planter mon épée à l'endroit qui se présentera le mieux. Hein. Vas-y. Et c'est parti. Oh, c'est pas vrai, mais je suis pas doué. Tu peines encore à te remettre de ta blessure précédente, même si la potion t'a ressoudé les plaies. Suzanne, Gwenaëlle, à toi. Alors Gwenaëlle va essayer de lancer une fronde et après elle va se barrer en courant. Alors, Ah, ça a été lance de du pied bras avec cassés, la quoi. fronde parce que si tu lances la fronde, Non, en effet, oui, tu as raison. C'est sur la bête que tu lui balances? Ouais. Ok, ça rate. Super. J'aurais dû viser le gobelin. Je m'en vais. Ouais. Alors attends. Je passe au travers des deux là, le plus loin possible. Vas-y. Voilà. Déterre à toi. Ouais, j'attaque, hein. Ok, ça touche. Ok, tu lui mets un coup d'épée au niveau de son épaule. Elle couine un petit peu. Et je peux me mettre en position semi-défensive? Ouais, c'est une action de mouvement, je crois ça. Regarde dans les aides de jeu, mais je crois que c'est ça, un combat. Les actions. Action défensive. Ah non. Il faut sacrifier une action d'attaque simple pour améliorer sa défense. Donc non, tu peux pas. Ok. Bon. C'est au gob. Bah quand même, juste je m'accroupis hein, pour être en dessous des carreaux. Ok, d'accord. Ça marche. Si le nôtre, toi, t'es pas accroupi, du coup. Je crois pas. Non. Ok. Ça marche. Alors attends. Il n'y a pas besoin, il est tout petit. Bah voilà, je suis un 42. Pas Déter trop. accroupi, il est plus grand que moi. C'est ça. Mais quand t'étais revenu vers nous, tu t'étais quand même faufilé, t'avais dit. Ouais. Me suis mis contre le mur à côté de Déter, quoi. Et je me suis faufilé pour éviter d'être vu par la première meurtrière. Alors, vous entendez le gobelin au-dessus qui fait Nagdruk Bagra! Et puis, qui tire, et le carreau passe juste au-dessus de toi, Silnodine. Et. Ouais, c'est pas assez grand. Je vais quand même. Ok. Il passe juste à côté du loup. Dommage. Au loup. Alors, le loup, sur un résultat de 1 à 3, il va attaquer Sylnodine. Sur un résultat de 4 à 6, il va attaquer Déter. Non. Ok.
Ouf. Il te touche. Je lance pour les dégâts. Ouf. Ouh bordel. C'est pas bon, c'est une place. Sinon, le loup te chope au niveau de l'abdomen et elle te perce complètement et tu sens la morsure puissante de la bête qui est beaucoup plus costaud que toi et t'as l'impression qu'elle te bouffe le ventre, les entrailles. Mon dieu. Tu perds 9 points de vie. Oh, la vache. Bah, en fait, c'était fait exprès, c'était pour tester. Ouais. Au moins, au moins, Siobhan, elle peut foutre directement les balles dans ton estomac. Hein. Directement, tu vois. Non, mais c'est très bien. On va pouvoir expérimenter. Alors, la médecine, les il faut voir ça comme ça, sinon ça marche pas. Ah bah oui, de toute façon. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder juste si c'est dès ce tour-là ou si c'est au tour prochain que tu dois... Attends, hop. Ouais, non, c'est au tour prochain. Bail à toi. Et c'est un lancé par tour ou c'est... C'est un lancé par tour, exactement. Ouais. Alors moi, je... C'est quand tu commences ton tour avec 0 point de vie. Ok. Je me recule derrière, je me mets derrière Siobhan et je recharge mon arbalète. Ok. Siobhan, à toi. Je décoche une flèche à la bête. Vas-y. Dans une partie molle. Tu lui plantes en plein dans l'espèce de boss qu'elle a au-dessus et tu sens la flèche se ficher dedans et tu vois que la flèche s'est enfoncée un peu plus profondément. Malgré tout, la bête est encore très alerte. Sylnodine, du coup, fais ton jet de sauvegarde contre la mort. Donc c'est un jet de... C'est un jet sur un des 20, ouais, tout à fait. Ok. C'est parti. T'as plus de PV, ça. Courage. 4. Ok, donc si je me souviens bien, 4, c'est un échec. Si le résultat est supérieur ou égal à 10, vous réussissez, sinon vous ratez. Tout à fait. Donc c'est tu comptabilises, t'as déjà un échec. Voilà. Très bien. Suzanne, à toi. Donc là, c'est au tour prochain. Attends, je crois... Non, les 1, c'est pas des échecs critiques, il me semble. Si. Ah 1, oui. C'est échecs critiques, ça okay. Enlève 2. Ah, bon, deux échecs. Si prochain tour, tu fais 1, tu meurs. Ouais. Putain. Et au revoir. Bah, je vais aller là. Je vais mourir. je vais tester quand même. Allez, on aime le beau jeu. je vais essayer de tuer le gobelin, moi. Le okay. Petit gobelin. Vas-y. Si je réussis à déplacer mon token, ce serait cool. Je me mets quand même là. Là, je le vois. Voilà. Putain. Non. Mourir pour ça, quoi. Déterre à toi. Bon. Est-ce que pour Sylnodine, nous on peut lui appliquer des soins? Tu peux essayer de le stabiliser en faisant un jet de médecine d'une difficulté de 10. Donc médecine c'est sagesse. Ah oui, putain, merde. Eric, t'es mort. Ah, parce que la sagesse, c'est pas mon truc, attends, il y a qui ? Il y a... Alors, je vais corriger parce qu'il me semble que... Là, il y a marqué sagesse, mais il me semble que médecine... Intelligence, du coup ? Oui, je crois que tu as intelligence ou sagesse, normalement, c'est au choix. Ouais. Parce que soit j'essaie de le stabiliser là, soit je le traîne jusqu'à Siobhan pour qu'elle le stabilise, mais Gwenaël elle va se faire buter. Comme tu... Oh, voilà, mais torche. Ça c'est moi qui... Tu prends la torche et tu cautérises direct. Paf. Ouais, est-ce que je peux faire un jet d'intelligence du coup? Ouais. Bon. Allez, j'essaie de le stabiliser. Vas-y.
Ok, donc tu parviens à stabiliser Sylnodine. Donc, du coup, là, il a plus besoin de faire de jet de sauvegarde contre la mort, mais il est toujours à 0 point de vie. Bravo. Et je reste toujours accroupi hein, pour le gobelin. Il est toujours inconscient, Sylnodine. Ok, ça marche. Merci bien, merci bien. Le gobelin, du coup. Vous l'entendez farfouiller là, il est en train de recharger. Et là, vous voyez derrière le war qu'il y a un autre gobelin qui arrive et qui se jette sur Suzanne. Excuse-moi, ça a coupé Discord. Je viens de me reconnecter. T'as un gobelin qui se jette sur toi. T'as un gobelin qui se jette sur toi, Suzanne. Cool. Ok. Espérons qu'il fasse un jet tout nul. Je vais pas sortir de la grotte, sinon. Ouais, vu comment c'est parti, c'est clair. Il te met un coup d'épée. Tu prends 2 points de dégâts, Suzanne. Ok. La vache. Et combien en PV, Suzanne? Ouais, c'est ça. Hein. Donc j'en ai plus qu'un. C'est là. T'as bien mis que t'en as un autre défense plus ça. Hein. Tout ça pour 10 pièces d'argent chacun. Quoi. Le loup déterre, il parvient pas à te blesser. Il rate complètement son attaque à cause des flèches qu'il a plantées. Qui le handicap. Paye-la toi. Mmh. Chargé, je tire sur le gobelin. Ouais. Et ben non. Ça rate. Voilà. Et je sors ma rapière. Tu peux faire ça du coup pour le mouvement. Tu peux, t'as pas bougé si tu peux tout à fait. Shoban. Je vais décocher une flèche sur le gobelin. Vas-y. Ok, tu lui plantes en plein dans un œil et tu sens, t'entends le gobelin qui meurt direct sur place. GG. Et comme est-ce que je peux jeter une baie à Gwen? Tu peux tout à fait lui donner là. Je t'autorise à faire ton déplacement et à lui donner. Vu que tu t'es pas déplacé encore, tu peux tout à fait. Je m'avance un petit peu et comme ça je lui donne. Ce que je pense que tu pouvais pas faire, c'était découper ton déplacement tout à l'heure, mais je suis pas sûr, ouais. Je me renseignerai. Ok. C'est gentil, merci. Sylnodine, du coup, est inconscient. Normalement, je peux regagner un point de vie en 1D4 heures. Donc voilà. Ouais. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Gwenal, à toi. Du coup, je prends la baie. Mm-hmm. Ça marche comment déjà au niveau des points Tu lances un D6 plus le niveau. Ok. Plus 1, quoi. Ouais. Oh, ça va passer, hein. Ouais. Large. Ok. Par contre, t'as pensé avoir full vie, quoi. De toute manière, full vie, ça va vite. Hein. Donc ça, c'est une de tes actions. Ça marche. Donc il te reste soit le mouvement, soit l'attaque. Ouais, peut-être pas. Je sais pas. Arrête. Je m'en vais. Allez. Ok. Je suis pas contente, mais je m'en vais. Voilà. Vas-y, vas-y. Déterre, à toi. Ouais. Je peux lui faire avaler une potion à Sylnodine ou quoi? Oui, vas-y, oui, bien sûr. Ah, ça, c'est une bonne idée. Avant ça, du coup, je le prends. Et j'essaye de l'amener ici. Vas-y. Faut que je fasse un jet de quelque chose ou... Vu les gabarits, non. Pour
toi ça te pose pas de problème. Je suis une brindille à côté. Je pense que tu vas le traîner par le pied, tu vas pas le porter délicatement. Hein. Mais voilà, dans l'urgence. Hop. Ouais. Et du coup, donc j'ai fait une action de mouvement, c'était une action aussi d'attaque pour mettre, le porter. Non, action de mouvement pour le déplacer, action d'attaque pour le pour lui donner la potion. D'accord, donc je lui donne la potion. Bah j'ai quoi quand attends, je regarde juste ce que j'ai. Bah sinon tu peux prendre. Bah je lui donne. Bah j'en ai qu'une. Enfin j'ai que la potion de Georges là. Donc c'est un D8 plus 5. La potion de Roderick. Ouais. Donc ça fait 10 points de vie. Parfait. Merci. Mec, il revit deux fois en l'espace de 5 minutes même. T'as vu ça? Non mais c'est merveilleux. Ah, heureusement que je suis là les gars hein. Et ouais, ah, c'est clair. Donc tu mets le. Décris-moi l'action Mathieu. Bah du coup je l'allonge sur le dos, j'ouvre la bouche et je lui verse une gorgée de potion dans la bouche. Je lui referme la bouche et je tape un peu sur la glotte pour qu'il avale. Ok. Sylnodine, raconte-moi ton réveil. Moi, je me réveille dans un cri de douleur, parce que j'ai encore le souvenir de la douleur. Et je vois que finalement, je vais bien, donc je suis surpris, mais je suis encore un peu dans le brouillard. Ok, nice. Le gobelin, vous l'entendez jurer parce qu'il a plus de cible. Voilà, vous savez qu'il est là, pour l'instant, il se passe rien. Le Worg, du coup, va se jeter sur Soban. Ok. Il te rate. Bail, à toi. Je déplace ta chauve-souris hein, pour bien voir. Je me mets en position défensive totale. Ouais. Donc je monte à C plus 4, c'est ça? Ouais, donc tu bouges pas. Ok. Ouais, je bouge pas. Siobhan, à toi. Vu que le Worg m'a loupé, est-ce que je peux essayer de le contourner rapidement pour lui passer dans le dos et lui décocher une flèche? Tu peux. Tu peux passer, tu peux te déplacer. Je fais une espèce de... En fait, pour passer sous le niveau de la meurtrière pour éviter d'éveiller le. Tu fais une espèce de quoi, t'as dit? Une glissade. Ah, bah vas-y, je vais te demander un test de dextérité, difficulté 10 alors quand même. Ah, ok. Ok, vas-y. Fais ton déplacement. Donc je fais une glissade au sol. Ouais. Je passe dans le dos du Worg et je lui décoche une flèche dans le derche. Vas-y. Fais ton jeu d'attaque. Ouais, Il va toucher Gwen. Ah. Ok, yes, c'est un peu compliqué. Yes. Sylnodine, à toi. Bon, moi je vais reculer de quelques pas hein, pour me mettre à distance tel l'archer moyen. Hop. Et en reprenant mes esprits et tout, ben j'essaye quand même de décocher une flèche pour aider mes compagnons sur la grosse bête. Allez hop. Et c'est toujours pas ça. Ok, t'es encore embué. C'est ça. Gwenaëlle, à toi. D'ici, normalement, je peux utiliser la fonte directe, mais en même temps, les deux autres, ils sont sur le chemin, c'est grave ou pas? Non, pas grave. Vas-y. Ok, alors go... go la fonte. Ah, super. Non, ça passe pas. C'était sur qui? Sur le Worg? Non, ça passe pas. Déter, okay. À toi. Et je me déplace, par contre. Vas-y. Je me mets juste dans l'angle, ici, histoire d'être moins visible. Voilà. Nice. J'avance juste légèrement pour être au contact et j'attaque. Vas-y. Ok, ça touche pas. Alors. Hop, combat.
attaque, action défensive, attaque concertée. Ouais. Je sais plus si vous l'aviez vu ça, mais du coup je vous le montre à tous parce que je sais pas si vous l'aviez vu dans votre truc. Je vous avais fait des petites aides de jeu pour le combat, etc. Ouais. Et vous avez dedans par exemple l'attaque concertée. Ça peut être intéressant si jamais vous avez du mal à toucher. Ah, ok. Alors. Ok. Donc le gobelin, il a toujours aucune cible. Et le worg, il va attaquer des terres. 11. Ok, il n'arrive pas à pénétrer ta défense. Bail à toi. Ça arrive au contact et je lui fous une attaque. Vas-y. Parce que j'en ai marre que ça dure trop longtemps, c'est tout ça. Ok, ça passe pas non plus. T'arrives pas à percer sa fourrure et puis il bouge, il est trop musculeux. Shoban à toi. Est-ce qu'on pourrait pas justement envisager de faire une attaque concertée ? Si, si. Parce que là, clairement, on n'arrive pas à lui faire des dégâts conséquents. Alors du coup, comment ça se passe ? C'est-à-dire que... Tu peux le distraire ? Ouais, je peux le distraire, par exemple, pour que Déter lui... Oui, voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce que j'ai à t'annoncer, moi ? Enfin, faut qu'on se mette d'accord, qu'on fasse une attaque concertée et qu'il y ait des assistants et qu'il y ait un attaquant en réel. Mais attends, parce que le truc, voilà, c'est un G de D pour une attaque au contact, difficulté 15. Voilà. Ouais, mais alors l'assistant, du coup, c'est Déter puisqu'il est au contact, c'est ça ? Bah voilà, à la rigueur, faut quelqu'un qui a une bonne force pour. C'est toi qui as de la force. C'est Shoban qui a de la force. Ah ouais ? L'attaque concertée, c'est pour des attaques au contact, donc c'est quand vous êtes plusieurs au contact. Ah ok, bon bah non, okay. Alors bon bah... Débarrez-vous. Bah tant pis, bah je vais lui tirer dessus avec mon arc. Ok, ça rate. Sylnodin, à toi. Et bah toujours attaque à l'arc. Vas-y. Non, ça passe pas. Et ça s'améliore. Gwenaël, à toi. Au bout du tour. C'est ça. Quand on sera mort. Non mais à la fin je vais le tuer en un coup. Je me redéplace un petit peu et fronde aussi. Vas-y. Au corps à corps, je vais mourir tout de suite. Mais punaise, mais c'est quoi ces jeux là? Quand tu as tombé son caillou par terre. Mais oui. Déter à toi. Elle a l'arthrose dans les doigts du coup. C'est ça, c'est l'âge. Non mais je pense qu'on est tous contaminés là. C'est dingue. N'oubliez pas qu'on peut faire les jeux de... Enfin, les bonus, la chance. Ouais, pour la chance. C'est un point de chance en vrai. Pour essayer d'analyser la bête, pour voir si elle a une faille ou si c'est un monstre que je connais et peut-être elle a une faiblesse, faut que je fasse quoi ? Bah la gueule, ça paraît une bonne faiblesse. Bah, il faudrait que tu fasses un test d'intelligence, mais c'est un gros loup quoi. Je veux dire, y a pas de. Ouais, c'est pas. T'as pas une faiblesse particulière. Il y a pas grand chose à repérer. Tu vois qu'elle est déjà blessée quoi. Elle avait des cicatrices. Ouais, elle avait des plaies ouvertes au début du combat. Et si j'essaye d'attaquer, est-ce que je peux essayer d'attaquer ses plaies ? Bah ça te semble difficilement atteignable quoi. Je veux dire, tu lui mets un grand coup d'épée dans la tronche, ça sera plus efficace. Voire tout autant efficace. Ouais. Bon bah écoute, on attaque hein. Non, ça rate. Ouais, mais là, ça marche pas, quoi. Il faut une stratégie, enfin, il faut essayer. Faut jamais arriver, là. Après, comme dit Thomas, vous avez les points de chance, hein.
Oui, bah, c'est sûr, on va être obligé de l'utiliser. C'est ton ça, point de chance, tu lui infliges 6 points de dégâts. Tu utilises un point de chance ou pas, Tether? Ouais. Vas-y, soustrais ton point de chance. Du coup, tu parviens à lui asséner un gros coup dans la... juste au niveau du cou, justement. Et tu l'entends hurler de douleur. Le gobelin, vous l'entendez rager derrière parce qu'il n'a pas de vue. Et elle, la bête, vous la voyez fuir. Bah non. Ouais, t'as l'opportunité là pour nous, du coup, et qu'elle fuit. Surtout si Oben. Alors attendez, je vais vous expliquer. Même toi, bah, il a la rigueur. Bah ouais. Ouais, ça bug là. Ok, dans cette case là, très bien. Alors, les attaques d'opportunité, normalement, dans Chronique oubliée, il n'y en a pas. Parce que sinon, si on met des attaques d'opportunité, ça limite vachement les déplacements. Okay. Mais si vous voulez que, si vous voulez faire des attaques d'opportunité là, je peux aller vous autoriser. Mais ça marchera dans les deux sens. Donc réfléchissez bien avant. Et tu faisais pas ça déjà dans la première campagne ? Pas spécialement, c'était un peu comme je le sentais. Ouais. Ok. Mm-hmm. Bah moi comme vous voulez, hein, moi alors, tant qu'à faire, ça peut être aussi utile pour nous quoi. Mais c'est souvent nous que je pense qu'on a l'habitude de courir, hein, ceci dit. Donc voilà. Je pense que ce n'est pas opportun. Ouais. Moi vous me dites s'il y a une majorité qui veut faire des attaques d'opportunité, ok. Non, moi pas spécialement. Du coup, on pas spécialement. On fuir au fond de la grotte. Ok. Bah, oui, après. Ouais. Ok. On a des arcs, donc on pourra toujours essayer de faire des strats. Toujours. Toujours essayer. Bail à toi. Essayez, c'est le mot. bah, moi, je quand je le vois repartir, je range ma rapière et puis je prends mon arbalète et puis je passe mon action de combat à recharger. Ok. Se ban. J'aimerais m'avancer doucement devant la meurtrière en fait pour essayer d'atteindre le gobelin qui nous qui nous matait tout à l'heure. Vas-y. Mais je veux pas être trop en vue donc je peux me mettre ici par exemple. Est-ce que tu es obligé de me mettre vraiment en face? Bah tu peux te mettre à un endroit n'importe lequel mais à partir du moment où toi tu pourras lui tirer dessus, il pourra lui aussi. Ouais d'accord, ouais bon bah je vais me mettre ici, tiens, ce sera très bien. Derrière la torche, comme ça j'espère qu'il me verra un peu moins, qu'il sera ébloui par la lumière. Et je lui tire dessus avec mon arc. Vas-y. Bon. Décris-moi l'action. C'est pas pour le loup, hein. C'est dommage. Décris-moi l'action, Cheban. Je me suis avancé délicatement vers la meurtrière et j'ai profité du fait que le gobelin regardait pas dans ma direction. En plus, j'étais masqué par la lumière de la torche dans la grotte très obscure. J'ai bandé mon arc et je lui ai décoché une flèche en plein entre les deux yeux. Et okay. Il avait une poussière dans les yeux en plus. Et il est tombé dans un cri de douleur. Nickel. Du coup, il est défoncé lui. Sylnodine, à toi. Alors... je me sens très utile, je vais me ravancer au niveau de Déter. Mmh. Déjà, les terres et je me mettrai à gauche du bail. Et du coup, je devrais être à peu près. Ah non, peut-être pas. On va faire un peu. Hein. Alors, les armes, je crois que c'est 30 mètres l'arc. Ah oui, 30 mètres. Ah bah ça va là. Du coup, je le vois encore. Le coin me gêne pas. Oui, là. Oui, tout à fait. Non, tu le vois. Bon. Et bah, j'essaye de lui décocher la flèche. Je dis bien, j'essaye. C'est parti. Paf, efficacité légendaire. Ça y est, des archers. Suzanne. Bah,
Bah c'est pareil, moi je suis pas très utile. Je suis une légende. Ouais, généralement quand on rate autant de jets, après il y a une compensation. On espère. Une mise en question. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, normalement, t'es censé en réussir, quoi. Bah, j'espère, oui, statistiquement. Ouais, mais là, on parle de Sylnodine quand même. Hein. Je peux aller jusque-là et essayer de la voir ou pas? Ou elle a couru trop vite? Ah oui, non, tu peux. Si tu te mets là, tu seras à portée, puisque toi, c'est 20 mètres avec la fronde. C'est 20 mètres, ouais. Ok, bah, on va tester. Vas-y. En espérant qu'elle fasse pas un demi-tour. J'ai même pas besoin d'aller aussi loin au final. Ouais, attends. T'as raison. Non, juste un peu après Sioban, ça aurait été. Ouais, voilà, je vais mettre. T'as raison. Plus loin. Là. Ok, et. Je n'aime pas la flèche bleue, non. Non, ça rate. Bon, au prochain, si ça touche pas, j'utilise le point de chance. Déterre à toi. Ah, donc je vais ici, je récupère la torche. Ouais. Je range mon épée, je récupère la torche. Je demande à Sioban si elle veut bien me donner une baie. Ouais, bien sûr. Une baie, s'il vous plaît. Je peux manger la baie ou pas? Oui, bien sûr, ça va être ton action. Faut que j'attende. Non, vas-y. Je t'autorise. C'est un dé, c'est quoi déjà? C'est un dé 6 plus 1. Tu récupères 5 points de vie. Ok. T'es full. Du coup. Alors. Oh là là. Il y en a combien? Vous voyez des gobelins apparaître dans le tunnel. Vous voyez quelques gobelins qui arrivent et vous les entendez dire Schlaganuk. Bail à toi. Moi, quand j'ai vu Gwenaël s'avancer, j'ai un peu levé les yeux au ciel. Je me suis mis, je l'ai déplacé, je me suis mis devant elle. Et je tire sur le gobelin qui est devant elle. Donc je fais en même temps un peu protection avec mon corps sur Gwen. Et le chevalier servant. C'est beau. Ok. C'était bien comme action, mais ça passe pas de justesse. Le carreau frôle le gobelin. Sioban, à toi. Comme je suis regroupé là avec mes différents partenaires, je leur propose pourquoi pas de faire une retraite juste à l'extérieur de la grotte pour se positionner à l'extérieur de la grotte de part et d'autre pour que les gobelins en sortant, pour qu'on leur tire dessus. Ouais. Ils veulent sortir. Ou alors en espérant qu'ils sortent ou en espérant pouvoir les prendre un par un. Moi je vais les prendre un par un ici dans la grotte. Dans la grotte? Ok. Tant qu'on y est, franchement, moi je me dis que ça change pas grand chose. Ok. Bon. Moi je ne recule pas devant le danger. En tant que chevalier. Bon bah, vos encouragements m'ont galvanisé, donc je tire une flèche sur le premier qui se présente. Vas-y. Déter, c'est juste que t'as pas de marche arrière, toi, c'est tout. Il a pas de neurones pour ça. Ok. Pareil, ça passe au-dessus, Sylnodine. Une chouquette, je reviens. Eh ben, je fais comme d'habitude, j'essaye de tirer à l'arc. Vas-y. Et je me promets que la prochaine fois, on part pas du village sans passer par le stand de tir. Voilà.
Un peu de mire. Okay. Mais j'ai les meilleurs stats de, du groupe pour tirer à l'arc. Je sais que j'ai une merde. Gwenaëlle, à toi. Alors attends, on va voir, ils sont assez, assez. Je vais essayer de faire la fronde sur lui. Vas-y. Là. Hop. Déter, tu peux enchaîner ton action. Ah. Putain, tu lui balances un caillasse en plein dans la tête. Tu vois que ses yeux se révulsent et il tombe inanimé. Ah, parfait. Et est-ce que je peux envoyer ma petite chauve-souris pour voir s'il y en a d'autres derrière? Vas-y, en fait. Vas-y, fais le déplacement que tu es autorisé à faire. Je te laisse faire et en même temps, Déter, vas-y, tu passes à ton action. Ça marche. Puis je te dirai ce que tu vois. Je m'avance. J'en mettrai. Je m'avance, je lâche la torche ici. Ouais. Je dégaine mon épée et j'attaque. Ok. Donc du coup avec ta chauve-souris tu vois alors je vais te dire exactement ce que tu vois. Ok. Tu vois une vaste caverne éclairée par quelques torches, mais on y voit très mal. L'air y est suffocant, un mélange irrespirable entre la fumée des sources de lumière douteuse et une odeur infecte d'urine. De nombreux passages de dimensions variées débouchent ici. L'endroit est jonché de détritus et d'un ramassis d'objets inutiles. Des tables et des chaises cassées, plus ou moins bien rafistolées, sont disséminées un peu partout. Vas-y, Déter, fais ton action. Allez. Gwenaëlle qui assure plus que Sénodine, quoi. Non, mais c'est fou, hein. Avec. Raté. D'un autre côté, c'est normal puisque tu changeais d'arme, donc normalement, t'aurais même pas pu, j'ai oublié. Le gobelin qui attaque Déter le premier, ça touche 2 points de dégâts et combien le 2 points ça de dégâts, le deuxième ça rate. T'as entendu 2 points de dégâts hein. Ouais. Du coup eux ils vous voient. Et eux, non, je pense pas. Hop. Donc eux, ils vont se ramener. Hop là. Voilà. Tom Bale, à toi. Mignon. Moi, je me déplace. Vas-y. Avec ma rapière. Et puis j'attaque celui-là. Alors, on va d'abord que je prenne Bale. Paf, et je tape. Vas-y. Sur lequel? Sur celui-là. Je peux poser une question? Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que... là, ça va pas être le cas, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que Bale saute au milieu des gobelins et fasse des moulinets avec son épée, par exemple? Possible. Pour essayer d'attaquer les quatre autour de lui. C'est jouable, ça, ou pas? Non, tu... pourrait, mais ça c'est des attaques plus haut level, de pouvoir attaquer plusieurs ennemis en même temps. D'accord, ouais, ok, d'accord, ça marche, merci. Tu le plantes dans l'épée, dans le bras, pardon. Tu le transperces le bras de part en part, et tu l'entends crier. Monsieur Ban, à toi. Je vais m'avancer un petit peu. Mm-hmm. Je vais essayer de tirer sur celui-là. Ok. Avec mon arc. Vas-y. Il marche plus l'arc. Et ça donne quoi là du coup? Ah là tu rates. Là j'ai raté. Si j'utilise un point de chance. Bah tu touches. Ok, bah je vais utiliser un point de chance. Vas-y. Donc, je le déduis. C'était lequel que tu touchais? Sur celui-là, là, celui qui est ouais. Qui est ici. Ok. Tu lui mets en plein dans la gorge, tu l'entends, t'entends un gargouillis immonde et la créature s'étale au sol. Sylnodine, à toi. Allez, un autre échec. Eh bien, je m'avance un tout petit peu pour être quand même à une portée plus
plus intéressante. On va se mettre à côté de Sylvain. Hop. Et je tente de tirer sur celui qui est juste devant des Terrebail. Qui est déjà blessé. Il est déjà blessé ? Oui, il a été blessé par Sioban, je crois. Alors je tire sur celui qui est derrière plutôt. Je mets toute ma sagesse dans ce tir en essayant de me souvenir des cours de tir à l'arc. Gwenaël, à toi. Bah... Raté. C'est dingue. Pas de bol, c'est quoi. Dingue. Gwenaël, à toi. Je me déplace un peu. Ouais. Je me déplace un peu et je vise celui-là. Déjà, la dernière fois, c'était pas terrible. En plus, les GD, je crois, Crevius. Ouais, la dernière fois, j'ai rien fait. Ouais. Non, ça rate. Déter à toi. Ok. Ouais. J'attaque celui-ci. Vas-y. Oh putain. Ok. Wow. Là il vole. Donc ce qui se passe c'est que au moment où tu brandis ton épée, tu l'abats, tu lui coupes la tête et ton mouvement continue sur celui-ci et t'éclates les deux d'un mouvement fluide. L'autre tu lui plantes l'épée dans la moitié du corps, t'exploses les deux. Épée. C'est quoi ton cri de guerre ? GG. Pour la justice ! Alors, on va faire celui-ci sur Bale. T'as combien en défense, Bale ? Moi, j'ai 15. Tu prends un point de dégâts. Il arrive à te planter son poignard dans la jambe, dans la cuisse. À toi. Eh bien moi je réplique. Vas-y. Je réplique avec un sourire un peu sadique. Sioban, tu peux enchaîner. J'avance en direction du gobelin. Vas-y. Et je lui décoche une flèche à bout portant. Vas-y. À bout touchant même. Oh punaise. Bah ça suffit. Ça suffit, lui rester qu'un point de vie. Ouais, tu l'avais déjà entamé. Bon, ça va. Il est mort. Ok. Alors. Petite pause dans le combat. Parce que là, vous avez éclaté un bon tour de monstre, là. Vous avez fait fuir la grosse bête. Et là, a priori... A priori, ouais, vous voyez des gobelins au fond, mais qui vous ont pas. Qui sont occupés à s'engueuler. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'autres gobelins qui ont l'air de surgir sur vous. Que faites-vous ? Ok. Alors, déjà, il y a un passage à gauche, là. Où est-ce que j'allais dire ? Il n'y a pas un truc, peut-être une meurtrière aussi ici, non ? Je sais pas, moi je vois pas encore ici. Je me suis pas déplacé. Je peux m'avancer moi ou pas ? Ouais, ah bah là vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous me dites avant ce que vous faites et puis vous êtes voyé entre vous. Moi je reprends juste ma torche. Avant pour voir un peu. Ok. Voilà. C'est éclairé dans la salle, on est d'accord, Adrien ? Ouais, c'est très très mal éclairé, mais ouais c'est éclairé. Ça pue, il y a des détritus partout, il y a de la fumée, c'est voilà, l'atmosphère est un peu pesante. Je range ma torche. Ouais. Moi je prends mon arbalète, je la recharge et puis je tire sur celui d'en haut. Je suis à distance. D'accord. T'attends, je la mets derrière pour la récupérer plus tard, ouais. Mais voilà. Mais on voit quelque chose du coup ? Il y a des éclairages, t'as dit. Ouais. On voit un petit peu quoi. Donc moi je. Ah mais le voleur. Oh ! Faut y aller en infiltration là, qu'est-ce que tu fais ? C'est discret, pas la peine de se battre encore. Attends, on va forcément se battre, hein, donc autant buter plus. Pas forcément. En plus, c'est le chevalier. Ah, l'aspect stratégique, là, Thomas, l'aspect stratégique, le placement. C'est quand même la question de ce qu'il y a vers la droite, là, et à gauche. Bah oui. Moi, j'envoie Ryu, là, à gauche. En mode furtif.
S'il y a deux clous, je les laisse en bail. Hein. Je défends pas. Hein. J'envoie Bail à droite en mode furtif aussi. Bail, moi je bouge pas. Hein. Comment ça, tu obéis pas à mes ordres? Surtout pas au tien. Hein. Du coup, je peux déplacer Ryul ou pas? Vas-y. Fais, vous vous concertez, ouais, tu peux faire tes actions. Je filme contre Bale qui ne veut pas suivre. Alors déjà, en passant, moi je vois que on pourrait se faire attaquer par d'autres gens. Hein. Déjà alors, là. Juste autant... attends que je la déplace pas trop. Autant se les faire direct. Tu voudrais dire qu'il y a du monde du côté. Il y a du monde exactement là où tu mets, ouais. Ok. C'est ce que je pensais. Hop, donc elle peut aller jusque là. Q. Ok. Donc il y a du monde ici. Et là. Non. Attends. Là il y a rien. C'est vide. Et elle peut te dire ce que c'est. C'est un tunnel ou c'est une sorte d'alcôve? C'est une alcôve, mais il y a rien. Il y a rien. Ok. Donc faut juste faire gaffe. Juste à notre gauche, vaut mieux pas avancer. Là. Ouais voilà, on serait en ligne de mire quoi. Bah moi, okay. Je vais toujours plutôt celui qui est en haut du coup. Et ils sont plusieurs d'après ce que je vois. Je vois pas combien. Au moins deux. D'accord, c'est à dire que quand tu dis ligne de mire, eux ils voient comme ça en fait, dans cette direction là. C'est ça. Enfin, il y a genre une meurtrière comme ça quoi. Ouais, voilà, je suis pas sûr que ce soit une meurtrière, je vois pas bien. C'est pas une meurtrière. Oui, non, c'est pas du tout une meurtrière. Ouais. C'est un. Donc, c'est une entrée, ouais. Voilà. Donc c'est une entrée, mais ils sont dans ce sens-là, ils nous voient quoi. Alors moi, ce que je propose... si on se met là, ouais. Là où je mets la flèche, parce que j'arrive pas à pointer autrement. Ouais, ouais. Ils vont nous voir. Là, ils vont nous voir. Ouais. Ouais. Bah, ce que je propose, c'est que Déter se mette à gauche avec moi. On va essayer de couvrir ce qui se passe à gauche. À gauche où ça? Genre là. Pointe sur la carte. Ok. D'accord. Donc Déter en avant. De défense à moitié peut-être à la rigueur, moi avec lui pour essayer d'utiliser mes merveilleux talents d'archer et vous soit vous restez derrière en attendant, soit vous essayez peut-être plus de progresser sur la droite et éviter d'aller trop loin en avant quoi. Bon, on peut essayer d'aller vers la droite. Vous voulez que j'envoie la petite Ryul pour voir si y a un chemin à la rigueur par là, tu peux renvoyer Ryul, c'est possible? Bah, j'ai le droit ou pas? Ouais, vas-y. Non, ok, oui. Y a pas de. Ok. Bah là, y a rien en fait. Attends. Attends. C'est Ryul. Non, vas-y, mets-la là où tu étais. Là? Ouais. En fait, t'es au pied d'une espèce de petite falaise. Et donc, du coup, si elle monte en hauteur, elle voit un espèce de vieillard en train de bouffer des champignons hallucinogènes et qui porte un espèce de bâton un peu chelou. Et il est assis en tailleur au bord du parapet en fait. Il est un peu famélique, hirsute. Il y a des traces de symboles kabbalistiques dans l'air qu'il est en train de tracer en grommelant des propos inarticulés. Et il porte pour seul vêtement une sorte de kilt bigarré. Et il est humain ? Non, c'est un gobelin. Un gobelin aussi, ok. Avec une petite barbe blanche. C'est un chaman gobelin ? C'est ça, ouais. Donc voilà, vous savez qu'on est surplombé par cet étrange énergumène. Ok. Pardon, vous faites ce que vous voulez, moi je vais essayer d'attaquer celui qui est au-dessus. Hein. Pour essayer d'avoir celui qui est au-dessus, il vaut mieux que ce soit arbalète et archer et fronde, enfin en tout cas les trucs. Moi, c'est moi, j'ai une arbalète. Ouais. Hein. Qui veut aller à gauche du coup sur ceux qui sont accessibles Tu voulais pas y aller avec des terres? Bah ouais, mais du coup, si on va plus à droite pour les tirs à distance. Je sais pas si on va vraiment le buter le gars. Peut-être qu'on essaye de commencer ce gauche. Ouais, alors. Tout en faisant gaffe à nos arrières quoi. En restant pas le dos tourné parce qu'on est facilement atteignable d'ici. Sachant que c'est ici, pour vous dire, c'est une entrée, mais c'est une petite entrée quoi. Je pense pas, on passe à la file indienne, je pense.
on passe pas de front. Sachant que okay. quand Ryul est passé au niveau du chaman, le chaman l'a regardé voler. Mais voilà, il a pas. Il s'en fout. Ouais, voilà. Il a mangé. Bon, il a vu une chauve-souris dans une grotte, quoi. T'as dit qu'il était assis sur un rebord. Il est atteignable ce rebord ou alors il est vraiment très haut? Non, il est. Je pense que c'est atteignable. Si vous voulez lui tirer des projectiles, vous pouvez quoi. Ah non, en hauteur pour vous l'atteindre depuis cet endroit-là, non. Il faudrait grimper quoi. Ça vous dit, on essaye de lui parler avant? Bah, on pourrait essayer de communiquer avec lui, ouais. Mais si c'est un gobelin, quelqu'un parle le gobelin? Il y a certains gobelins qui parlent le commun. Ah, ils savent dire caca en commun. Ouais, vu qu'il a l'air d'être un peu avancé et tout, je sais pas. Ouais, enfin, bref. Moi, je tenterais peut-être la communication aussi. Hein. On essaie, et au pire, bah, on se castagne, écoute. Hein. Et là, alors, je suis tout à fait d'accord. La question, c'est est-ce qu'on s'occupe de celui ou ceux qui sont à gauche avant ou pas? Parce peut-être que si jamais l'autre d'aller direct à droite. Gueule, les autres vont nous tomber sur le rap. Quoi. Ouais. Bah, on peut passer discrètement à droite pour essayer d'atteindre le gobelin en kill. Ouais. Allez. On essaie ça? Si on passe en file indienne, on passera pas en passant ici, genre. De toute façon, oui. Les autres, ils nous verront pas. On peut pas envoyer Bale en tant qu'assassin? Il y va furtivement et essaie de l'assassiner? Bah, je vais pas forcément l'assassiner, moi je veux bien y aller, mais je vais voir ce que je peux faire avec lui. Mais je peux y aller, hein. Tu veux essayer de discuter avec lui? Mais ouais, bah, discute. Allons-y. Fumer des champis. J'en ai besoin à plus. Utilise ton verbe. Donc bon, du coup, je vais voir sur le côté à droite, Adrien. Ouais. Et je me mets en mode discrète. Vas-y, fais un test de dextérité avec des bonus. Déter, tu peux mettre ton portrait sur ton avatar. Je passe à 11 avec mon bonus. Ok. Et ben attends, bouge pas. Ok. Là c'est bon. Ouais nickel, parfait. Ouais, c'est bon. Ok, vas-y, tu peux poursuivre. Là il est où le vieux là? Il est ici. Là. Ah ok. M'approche toujours très discrètement, hein, évidemment. Mm-hmm. Je montre pas mon arme, enfin ma rapière est rangée, mais je garde quand même une main dans ma poche avec une dague au cas où. Mm-hmm. Moi je me mets au coin une dague que j'ai. Du mur là pour. Je peux pas voir ce qu'il y a au-delà du truc, hein. c'est tout noir. Ouais. Tu sais que Suzanne Gwenaël t'a dit qu'il était au bord, mais de là où t'es. Enfin, là, tu le vois plus, en fait. Ok. Et parce qu'il est plus là, ou... Tu sais pas. C'est juste que j'ai pas la bonne vue. Tu sais pas s'il s'est reculé, ou... Je peux faire une perception, éventuellement, pour essayer de voir si je peux toujours le percevoir par des sons, ou si quelque chose. Tu peux essayer de faire un jet de perception, ouais. Vas-y. Oh, bon, ouais, bon. Ok, du coup, là au niveau, il y a une sorte de nid, là je sais pas quoi, il y a rien de spécial quoi. C'est pas un nid, quoi, c'est juste des détritus, ouais. Ok. Il y a pas de champignons à proximité, champignons Pébiza? Non. Très bien. Je suis vraiment déçu de cette aventure. Là pour le coup, je remets mon arbalète. Mm-hmm. Et je me mets à ce niveau-là, histoire d'avoir une vue sur celui d'en haut. Ok. Que je tiens en joue. Pour le moment, vu que les autres paraissent un peu contrariés, je veux pas que ça déplaise à Gwen. Donc tu vois qu'il est en train de boire de l'eau, une eau phosphorescente. Il y a une lumière verte là-bas. Ok. Du coup, vous faites quoi alors? Ben...
Oh, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on a dit, on essaie de tirer sur ceux qui sont en bas. On essaie de les attaquer. Ou alors on avait pas dit qu'on les évitait et qu'on allait parler au gars à droite. Pour aller parler au gars à droite, mais là il le voit plus. Il est plus là. Ah, il a disparu. L'odeur, ça, je suis sûr. Bah attends, mais je vais renvoyer ma petite chauve-souris, moi. T'aurais pu te le... T'aurais pu te laver un peu. Je renvoie Rioul. Mmh. Et il est plus là. Alors. Vas-y. Tu peux passer. Tu le vois? Il est là, mais il est au fond. Ouais, il est en train de bouffer des champignons là. Il est allé en cueillir. Ok. Bah, je me déplace pour me rapprocher de tout le monde qui m'entendent. Que je parle pas trop fort. Mmh. Ouais. Et je le dis surtout à Bale, bah, il est encore là, il a pas disparu, c'est juste qu'il faut grimper quoi. Bon bah du coup je me relance. Mmh. et je grimpe. Vas-y. Alors fais-moi alors attends, je vais te dire exactement. Fais-moi un test de dextérité. Attends, ça dépend. Tu montes. Décris-moi comment tu fais pour monter. Genre. Vas-y. Je prends beaucoup de précautions et j'essaye de bien vérifier auparavant les meilleures prises ouais. qui peuvent s'offrir à mon poids et puis en étant discrète. Et puis j'essaie de grimper petit à petit en faisant le moins de bruit okay. possible. Ok, vas-y, t'arrives en haut, il n'y a pas de problème. Ok, parfait. Et je laisse Rioul avec elle, okay. comme ça je vois ce qui se passe. Vas-y, ça marche. Et s'il y a un problème, on peut essayer d'aller vite. Quoi. Vas-y. Donc du coup, t'arrives au niveau du chaman. Donc il est en train de bouffer des... Il te tourne le dos, hein, et puis il est en train de grommeler des trucs. Tu comprends pas trop ce qu'il dit. Récupérer par terre, c'est ce que j'ai par terre, c'est pareil, c'est des champignons. Ouais. Ben j'en prends. Vas-y. Enfin, j'en prends, je veux dire, dans ma besace, hein, j'en mange pas. Vas-y. En même temps, à ce moment-là, il se tourne vers toi et il te pointe le champignon et il fait Kamzuk Drogo. Et je lui fais signe. Et en même temps, il continue à faire ses trucs. Je hoche la tête et puis il est toujours en train de faire des écritures sur... Là il est en train de mâcher les trucs, il regarde le plafond et il pointe du doigt, il fait un cercle comme ça, qu'il barre, là il fait des grands gestes avec le doigt, il est en train de barrer le cercle. Ok. Est-ce que je peux écrire sur le mur, j'écris mon nom? Vas-y. Genre avec ce qui s'en sert et tout. Sachant que tu sais pas lire et écrire, toi. Le premier contact. Non, mais je sais pas lire et écrire. Tu sais mettre ton nom, ouais. Vas-y. J'écris mon nom, quoi. Et donc j'écris mon nom à son niveau, quoi. Je suis assez intrigué. Et puis de toute façon, il m'a rien fait de mal pour le moment. Je lui fais ça en sachant que j'ai toujours ma lame, ma dague près de moi, quoi. Donc j'écris mon nom là où il écrit tout son bazar, quoi. Ok. Elle a la peau de quelle couleur, Bale? La peau, elle est plutôt blanche, quoi. Elle est assez sans être albinos, elle est plutôt blanche, quoi, avec les cheveux blonds. Le teint laiteux. Blanc comme un cul, quoi. Il crache dans sa main, il essuie, enfin il passe la main sur ton nom et il te regarde, il fait Madame Blanche. Il dit Madame Blanche. Ouais. Et du coup, est-ce que du coup, c'est de communiquer et vous, enfin et toi. Et là, il continue dans ses délires. Et tu le vois, il se déplace et puis il va à ce truc de champignon. Nagdrig Bagra. Blanche. Et bah du coup,
je me mets à son niveau de nouveau, et puis là je lui je mets sur le mur pareil comme tout à l'heure, et je et j'inscris sur le mur ma peinture sur le visage. Je refais le par mimétisme, je refais la même chose sur le mur. Tu fais quoi? Écrire ton nom? C'est pas mon tatouage. Non, non, pas mon nom, mais le symbole que j'ai sur le visage. Ok. Pour voir s'il réagit, s'il y a quelque chose. Du coup, il sort une espèce de poudre de sa poche et il te souffle dans la figure. Fais-moi un test de constitution. Ça ok. Pas bon. Alors attention. Oh, je sais pas. Effet de ouf. Bon bah ça te fait tousser. je tousse et. Tu penses que c'est une espèce d'herbe un peu poil à gratter ou ce genre de truc. D'accord. Ok. Sans plus. Et là il ouvre des grands yeux et il te regarde en mode. Tu vois, il s'attend à ce que il y a un truc de ouf quoi qui se passe. Et puis alors. Moi du coup je hausse les épaules en mode. Bah et ensuite je. Donc je là pas, il je... là il est voilà. il maugrait et il farfou dans ses trucs. Ah je comme ça. Bah du coup je m'assois près de lui et puis je le regarde. Ouais. Il y a une place sur le parapet pour qu'on te rejoigne. Ouais. Bah restez là où vous êtes, hein. Moi je m'aime bien mon nouveau copain. Ok. donc du coup pas, hein. tu restes combien de temps à peu près? Tu comptes rester combien de temps? Je reste 5 minutes. Ok. Donc du coup, pendant ces 5 minutes, tu le vois, son comportement ne rime à rien. Il n'y a aucune logique dans son comportement. Pendant ses pérégrinations, tu l'entends de temps en temps en commun qui dit la grande vague d'ébène ou le flot tumultueux du destin. Mais voilà, c'est les seuls trucs que tu as compris de ce qu'il dit et tout le reste. D'un point de vue orthographique, ça s'écrit comment? Tu sais pas. C'est bien. Can you repeat, please? Du coup, moi je vais quand même essayer de vous rejoindre. Alors, est-ce que c'est possible? Parce que vu qu'il parle quelques mots. Commun. De commun. Essayer de lui parler, quoi. En commun. En injonction? Et. Non, pas en injonction tout de suite, genre déjà voir s'il comprend, ça sert à rien. Moi j'essaie de communiquer avec lui, il y a pas. Mais on peut lui demander c'est quoi le destin, c'est quoi, tu vois, des trucs comme ça. Communiquer, pour l'instant tu lui as donné ton nom et tu lui as fait un dessin. C'est ça, on n'a pas posé de questions encore. Bah, je peux lui poser la question. Est-ce que c'est possible? Je vais essayer de. En étant discrète, je peux essayer de me rapprocher. Vas-y. En attendant, tu me fais un test de Dex. Ok. Tu tombes, tu meurs. Oh, ça va. Ok. Elle est agile. Et j'essaie de grimper. Alors, au mur en étant discrète, ou... t'entends le gobelin ici. Ouais. Qui enlève la tête, qui t'aperçoit et qui fait comme ça et qui court. Ok. Jetez-moi les initiatives. Vous avez dit qu'il fallait le buter celui-là. Hein. C'est pas les mêmes initiatives du coup? Non, ça recommence. Ok. Merde, j'essaie d'être discrète, ça a pas marché. Moi, du coup, je suis pas en commun, hein. Je reste avec mon super pote chaman. Hein. Ok. Ah mince, je te fais un tel, je crois. Zut, excusez-moi. J'ai l'impression que t'es quand même bien bugué parce que je fais à chaque fois le même mais jet. Peut-être que t'as. Ah! Ah non, l'initiative. Moi aussi, c'est vrai. Non, mais l'initiative, quand vous faites le G, ça prend juste votre score de dextérité et après vous rajoutez un D6. Ah, non, okay. Mais ça, on est d'accord, mais je fais exactement le même G. Ah, au D6 Non, à l'autre. Ah non, mais c'est normal. C'est ça, c'est en fait, c'est un truc que fixe. C'est une valeur fixe. C'est une valeur fixe. Ok. Mince, j'ai pas réussi à rejoindre le chemin. Jalouse. Pas grave. C'est moi qui l'ai trouvé en plus. C'est pas vrai, c'est rigolo. Vas-y, Sioban. Tu peux agir. Je vais décocher une flèche
Vas-y. Au gobelin qui s'était avancé. Ok. Il se la prend en pleine tête. Pendant qu'il était en train de hurler, il s'effondre. Ah ouais. Silno. Et là, il y a Subban qui glisse à Silnodine qui lui fait, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. on met une flèche, on l'encoche et on tire. C'est pas l'inverse. Bah, du coup, il y a d'autres gobelins. Ouais, il y a les deux là, ils ont entendu le cri, ils sont avancés. Ok, bon, voyons voir. T'es à portée. Ouais, allez. Je fais un ou deux pas en avant. Toc. En évitant d'avancer trop dans l'alignement de la meurtrière de l'autre côté. Et je décoche une flèche sur le gobelin du bas. Vas-y. Attention, roulement de tambour. Ah bah putain. Oh la vache. Non mais c'est un coup de chance. Tu lui plantes en pleine poitrine, il s'effondre. Enfin. Alors. Donc du coup, lui, il s'avance et il tire sur Gwenaël. Ah, ça rate. Ouf. Gwenaël, à toi. Oui, c'est à toi. Attends, je regarde c'est combien de mètres. Ouais, je vais essayer de l'avoir lui. Hop. Non, raté. Bon, poids de chance. Hein, déterre à toi. Ah, pardon, ok. Ah, ouais. T'inquiète. Donc du coup, non, déterre, c'est pas à toi, elle le tue, elle a utilisé un point de chance. Ok. Tac. Tu l'éclates, du coup. Déterre, je vous laisserai noter les points de chance. Hein. J'ai déjà enlevé celle-là. Qui n'est pas une meurtrière. Ok. Déterre, à toi. Déplacement, c'est 20 mètres. Ouais. Oui, il est toujours dans le turn order, le gobelin. Il s'enlève pas automatiquement quand il meurt. Parce qu'il y en avait peut-être d'autres, mais attends, je vais te l'enlever. Moi je vais ici. Vas-y. Pas oublier qu'on en laisse derrière nous là pour le coup. Tu fais quelque chose de spécial ou pas d'éther? Tu t'es déplacé? Ouais, je me fais en position semi-défensive. Vas-y. Subban, à toi. Je vais avancer discrètement jusque là au coin du mur en fait. Attends, ouais. Merde, j'ai pas le point de moi. Je vais avancer jusque là très discrètement et je vais essayer de décocher une flèche à ceux qu'on avait vu dans le couloir, enfin okay. À ceux que Ryu l'avait vu dans le couloir, voir s'ils sont toujours là. Vas-y. Donc je m'avance encore un peu. Exactement. Super discrètement et là je décoche une flèche. Vas-y. Au gobelin que j'aperçois. Donc du coup, tu vois que c'est des gobelins qui portent des lances et qui ont l'air d'être en poste, comme ils étaient de garde. Et au fond, tu vois un espèce de mec sur un trône. Ah putain, je peux dire ce que je vois à mes compatriotes? Ouais, bien sûr. Ou ils sont trop loin pour que je leur... Non, tu peux leur dire. Mais tu vas le dire à voix haute, mais ouais, vas-y. Ouais, j'aperçois deux gobelins peut-être, et je revois le warg de tout à l'heure, okay. ainsi qu'une créature juchée sur un trône. Okay. Donc je vais tirer sur ce gobelin là. Lequel? Celui-ci. Ok, ça marche. Adrien, est-ce que je peux aller dans le couloir au-dessus, enfin pour visiter en même temps le coin? Ouais, bien sûr. Je
Profitant pour faire des courses aussi. Jette-moi ton initiative, Thomas, du coup. Ouais. Elle te suit, hein, la petite. Ouais. Donc ça me fait. Ok, tu exploses le gobelin d'une flèche dans la tête, Siobhan. Ok. Moi je l'explose, hein. Non, non, je parle. Non, j'ai dit Siobhan. Ouais, Siobhan. Ouais, non, ouais, ça, ouais. Donc ça fait 17 et 3, ça fait 20 du coup. En. Turn order. Ok, ça te l'a pas marqué. Non. Vas-y. Je te laisse mettre. Merci. Voilà. Du coup. Fais-moi un test de dex, s'il te plaît, Thomas. Alors. Ok. Tu les vois, tu vois les gobelins, tu vois un espèce de... Ouais, tu l'as pas vu vraiment. Tu vois juste un gobelin. Mais lui, il t'a pas vu apparemment. Sylnodine, à toi. Ben moi, je vais appuyer l'offensive de ma compatriote. C'est-à-dire que je vais me déplacer à ses côtés, de l'autre du... À tes souhaits. Hop, en essayant d'être plutôt discret. Hein. Hop. Ici. Et je vais décocher une flèche sur le gobelin que l'on voit ici. Vas-y. Ok. Pareil. Tu le fumes. Yeah. Et dans le game. Donc là, les deux elfes ils sont en train de carrer, ils sont arrivés, ils ont éclaté les deux gardes. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, quand je l'ai vu là, je sors mon arbalète et puis je lui décoche une flèche. Ok, vas-y. Ok. Tu lui transperces le crâne de part en part. Tu vois même que l'impact a explosé un peu la boîte crânienne. Visiblement, il y a un peu de matière grise. Enfin, un peu, hein, parce que c'est des gobelins qui se répand. Regarde tout de mon épaule pour voir le chaman s'il réagit, s'il y a quelque chose. Et ben, justement. Alors, attends. Hop, 2 secondes, parce que là du coup ça me fait sortir beaucoup de fiches en même temps. Je retrouve. J'étais ami avec lui, hein. Je retrouve où il est. Parce que là je l'ai perdu lui. Ah, il est là. Ok, donc attends, ça me fait mettre cette fiche comme ça. Voilà. Alors combien il a? 15, 16, ok. Ok. Bon là, combat de ouf, ça part dans tous les sens. Donc Thomas, c'est bon. Donc là, c'est au gobelin. Il m'a attaqué, c'est ça? Il a rien fait encore, puisque tu viens. Le tour, ça dure une dizaine de secondes et ça se passe un peu en même temps. Mais là, t'as agi avant. T'as agi et tu vas voir ce qu'il va faire. Oui, bah j'imagine pas qu'il va me dire bonjour. Donc il y a un gobelin qui vous court dessus. Ah. Les elfes. 10 plus 2, 12. Non, ça ne passe pas. Lui, il a moins. Ça, c'est juste les gobelins. Il y a lui. Hop. D'un pot, des chiottes. Oh. Donc là, 1d6-1. Hop là, tu prends un point de dégâts, Thomas.
Gwenaël, à toi. Ah, c'est petit. Un point de dégâts, ça marche. Gwenaël, à toi. Sachant que tu sais que Thomas est attaqué. Enfin, que Bailey est attaqué en haut. Bah, je comptais aller là-haut. Essayer de monter, en tout cas. Ok. Donc, si tu montes là, il faut que tu fasses un test de dextérité, difficulté 10. Il y a le chemin, okay. Nice. Vas-y, tu te retrouves en haut. Hop. Et du coup, qui l'attaque, c'est lui ? Ouais. Celui qui est devant, ouais. Bah, fronde, alors. Ah. Ok, tu vois, Thomas, un projectile qui passe par-dessus de ton épaule et qui... Enfin, qui passe juste à côté de toi, en fait, et qui explose le crâne du gobelin. Donc là, c'est pas dans la délicatesse non plus, hein. Sorte de pavé de gilet jaune qui lui arrive dans la tronche. Alors, voilà. Donc là, Silno et Sioban, vous voyez un gobelin qui se lève de son trône. Ouais. Et à ce moment-là, vous voyez que le trône, c'est vraiment un trône, quoi. C'est genre un espèce de chiotte qu'ils ont rapporté et qui s'en servait comme un trône de roi, quoi. Et juste à côté, à cet endroit-là, il y avait une espèce de tête de gobelin plantée sur une pique encore sanguinolente avec le crâne ouvert. La caverne, elle est vaste, elle est bien éclairée par rapport aux autres. Les meubles, ils sont de meilleure qualité, elle pue pas autant que le reste du complexe. Au fond, vous voyez donc les toilettes, quoi, sur lesquelles était le gobelin, fait à partir de planches et de meubles de récupération qu'ils ont volés en même temps. L'ensemble est malgré tout relativement impressionnant, et la tête de gobelin fichée sur une pique qui surplombe de tout confère un caractère sinistre à l'ensemble. Quelques crânes plus anciens décorent les murs par endroits. Voilà un peu pour la description du truc. Et donc cette espèce de gobelin là, il s'avance et vous l'entendez faire clic 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 comme ça en pointant un doigt décharné. Et à ce moment là son loup se jette sur vous. Oh. Cher de nouveau. Ok. Il se jette, il attrape Sioban à la cuisse et il commence à secouer comme ça de hargne. Tu prends 6 points de dégâts. Ok. Ça fait mal. Ok. À ce moment-là, là c'est là que ça va être. Vous entendez tu entends le chaman dans ton dos, Bale, et juste devant toi, Gwenaël. Tu l'entends psalmodier des espèces de paroles, et il y a une espèce de d'aura verte qui commence à luire autour de son corps. Au niveau de ses vêtements, en fait, comme si ses vêtements ils commençaient à luire un petit peu de lumière verte. Je peux me jeter sur lui et lui couvrir la bouche ? Bah, ton action. Là, c'est à déterre. Ce serait à mon tour, ok. Déterre. À toi. Ouais. Allez, allez, ça doit aller plus vite, hein. Vu le nombre de personnages qu'il y a à jouer, là, t'as l'habitude. Vas-y, hein, je veux le cœur de l'action. Ok. C'est 20 mètres, hein, le déplacement. Ouais. J'attaque le loup. Ok. Vas-y. Tu rates. Sioban, à toi.
Est-ce que tu penses qu'il y a moyen que j'essaie de le calmer, l'animal? Tu as une compétence pour ça et je crois pas que tu l'aies encore, il me semble. Hein. Il y a pas des trucs après langage des animaux. Ouais, d'accord. Tu peux pas encore, toi, tu l'as pas pris le langage des animaux. Okay. Tu peux pas lui parler. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Je vais lui tirer dessus à ce moment-là. Vas-y. Avec mon arc. Il faut te parler. C'est de la diplomatie par l'arme. Ok. Pardon. Tu l'entends couiner sous les dégâts de l'arc. C'est le Nodine à toi. Je vais tirer à l'arc, mais sur le gobelin, le petit gobelin qui est devant moi. Ouais, vas-y. Ça rate. Ouais, j'utilise une chance. Ok. Tu lui exploses la poitrine aussi. Il s'effondre. Tu vois derrière que le chef, il emmène pas large. Ben, il a toi. Je vais t'envoyer un petit message. Vas-y. C'est possible. Ouais, tu peux lui dire ça. Tu peux lui dire ça si tu veux. Est-ce que je peux pas faire un jet de charisme pour éventuellement pour essayer de m'imposer, pour essayer de. Vas-y. Fais. Okay. Oh putain. Voilà. Oh putain. Donc du coup je vais te dire il y a deux barrières à cette action. Une, t'as un charisme de chouette apparemment. Ouais, il y a toujours moyen de faire un jet de chance, mais bon. Et de deux. T'as autant de charisme que moi de talent à l'orc. Voilà. Et de deux, c'est un gobelin, il parle pas l'orc, c'est dommage. Ah, mais pourquoi t'as dit ça? Bah parce que. Oui, mais je veux dire par rapport aux autres qui savent maintenant que j'ai voulu parler en orc. Bah c'est pas grave. Y a Gwenaël qui t'a entendu. Oui, mais Gwenaël, c'est normal. Le truc. Gwenaël, c'est normal. Est-ce que je peux quand même m'attaquer à lui ou pas? Oui, bien sûr. Bah là, tu as dit le truc. Vas-y. Je sors ma rapière et puis je lui attaque. Alors, un petit coup de rapière hein, pour monsieur. De toute façon, t'es qu'à 20 mètres des autres, hein, donc les autres, c'est des elfes, hein, ils t'ont entendu parler. Hein. Ok. Ok. Tu parviens à lui planter ta rapière dans l'épaule. Donc tu lui dis ça et après, tu lui plantes. Ok, d'accord. Super. Vu mon jeu de charisme, je me suis dit que c'était pas la peine de continuer. Gwenaël, à toi. Il est pas mort? Non. Ah, mais d'ailleurs, attends, okay. Oui, je me suis planté en plus. Ouais, Karen. Ouais, vas-y. Moi, je veux pas le tuer, parce que j'aimerais bien lui parler. Donc c'est le seul à avoir l'air de dire des mots en commun. Du coup, il faut faire des plommages temporaires. Ouais, je sais pas si je suis capable de faire ça, moi. Onde, dans la gueule. Non, moi, je vais essayer de pas l'attaquer, mais ouais, de lui couvrir la bouche, parce qu'il a l'air de faire des incantations, là. Tu donnes des coups à main nue, en fait, pour faire des dommages temporaires. Ah. Vous lui prenez des champignons dans la gueule. Hein. Ou alors, avec une arme contondante. J'ai pas d'arme. Si, j'ai un bâton. Un fenouil. Vous avez dit de prendre bâton, son pas sorti. Avec la partie tigeuse, ou... Boulière. Du coup, est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je peux du coup essayer de me jeter sur lui et de lui couvrir la bouche? Bah vas-y, test de force en opposition. Oups. C'est pas. Oh ça va. Ah oui, le bâton ça marche pas. C'est. Ok. Menu ou gourdin. Jette-moi un des quatre, s'il te plaît, Gwenaël. Ok,
Donc là, pour l'instant, tu parviens à lui couvrir la bouche. Et ça va durer 3 tours. 3 tours, ok. Mm. Et est-ce que ma petite chauve-souris, elle peut continuer dans le couloir, voir s'il y a quelque chose au bout? Ouais, oui, vas-y, vas-y. Ok. Alors, du coup, ce qu'elle voit, c'est une grotte vide à l'exception d'un gros sac en toile de jute bien ventru posé contre un mur. Enfin, posé au milieu. Ok. Il y a des pommes de terre qui sortent du truc. D'accord, ça marche. Il y a peut-être un enfant au milieu des pommes de terre. Ou une pomme de terre adulte. Peut-être. Entre deux âges. Alors. Voilà, voilà. Ok. Bon, il y a le gros truc là qui va nous foncer dessus, là, je le sens bien. Ah non, mais il en menait pas large. S'il Nodine, tu as le chef gobelin qui te balance un trait de carreau dans l'épaule, tu prends 4 points de dégâts. Ah saloperie. Pardon. Warg. Il a combien? T'as 15 en def, Siobhan? En défense? Ouais, je crois que t'as 15. En défense, j'ai 15. Ok, donc ça passe. Tu prends 8 points de dégâts. Quoi? Tu prends 8 points de dégâts du chien qui vient te... Enfin, du gros loup qui vient te t'arracher... qui vient de te toucher, en fait. Il était sur ta cuisse en train de mordre et il t'a percé l'artère. Fais ok, moral. Donc là, je là, suis au vides, sol. Tu te vides de ton sang, ouais. Tu tombes dans les vapes. Ok. Donc le chaman, il va essayer de se... Bah non, de toute façon, il avait raté son truc. Déterre à toi. Et le jet de sauvegarde là contre la mort, c'est prochain le tour d'après. Ouais. Ouais, ok. Enfin, bah non, là en fait, à ton tour là quand tu vas être. Ah oui, ok, oui. Mais il te reste à une baie en plus, non? Tu pourrais éventuellement. Elle est inconsciente. Ouais, j'ai des baies sur moi, mais je suis inconsciente. Quelqu'un pour lui faire gober sa baie, quoi. Des terres? Ouais, bah c'est bon, hein, sur le loup. Ok. Ah, tu lui mets un gros coup dans la boîte crânienne. Tu vois que tu lui as complètement déchiqueté une oreille qui pend. Et là, il commence à être vraiment mal en point. Il fait pas le figure là, le loup. Il saigne de partout. La fourrure, elle est poisseuse de sang. Siobhan, jet de sauvegarde contre la mort. Ok, tu notes une réussite. C'est le Nodine à toi. Bah je décoche une flèche contre le loup. Vas-y. D'abord je fais un chassé avec la jambe pour soulever de la poussière et tenter de... Allez hop. Ouais. Ça passe pas. Tu utilises un point de chance ou pas? Allez, j'utilise mon deuxième point de chance. Vas-y. Ok, bah décris-moi l'action parce que tu le défonces. Bah donc j'ai chassé de la poussière qui lui rentre dans les yeux et je m'avance d'un pas lest et j'ajuste mon tir pour lui tirer entre les deux yeux. Ok. Attendez, deux petites secondes. Donc oui, je disais, eh ben nice, nickel ça. Le vla qui s'écroule, bail à toi. Donc le chaman devant moi, il est comment? Et en fait, il est maintenu par Gwenaël qui l'a chopé au niveau de la du qui a mis sa main sur sa bouche en arrivant vers lui. Et là, en fait, elle l'a soulevé et elle le plaque contre lui. En fait, il est dos à elle, comme si elle lui faisait une manœuvre de Heimlich. Sauf qu'elle le tient par le corps et l'autre main sur la bouche et il essaye de se débattre. Heimlich sur la bouche, ça marche pas bien. Bon,
quand voilà. je vois ce que Gwenaël veut faire et en fait il touche plus, il a les pieds qui frétillent dans le vent parce qu'il touche plus le sol. Et bah du coup moi ce que je vais faire c'est qu'avec mon pommeau de ma rapière je vais essayer de l'assommer. Ouais, ok. Bon, en me disant que bon bah apparemment elle ne veut pas qu'on le tue, donc ça me va parce que moi je voulais pas trop lui faire de mal à la base, mais ils me sont montrés un petit peu vindicatifs. Vas-y. Du coup c'est... Alors un personnage qui ne possède pas de capacité particulière pour se battre à main nue inflige des dégâts. Alors attends, là on va dire que tu vas taper avec le pommeau de ton épée, la garde on va dire. Ouais. Tu as un malus de -2 en attaque. Et on retranchera aux dégâts que tu lui as fait le modificateur de force de la cible. Vas-y. C'est pas comme ça que je fais. Fais-moi un jet d'attaque au contact. On enlèvera -2. Ok. Voilà, donc ça fait 12. Et lui, il a. Ouais, ça passe pas. Merde. Du coup, il se prenait quand même des dégâts ou pas du coup ? Alors attends. Ah non, excuse-moi, attends, j'ai mal lu. Bah, je pense que de toute façon, tu sais quand même un jet d'attaque, mais donc là tu rates ton jet d'attaque. Donc, de toute façon, grosso modo, ouais, bah, je pense que dans l'agitation, il se débattait, t'as pas réussi à mettre le coup comme tu voulais. Tu l'as mis dans l'épaule par exemple, donc t'as pas réussi à aller. Voilà. Mon mouvement de déplacement. Et puis en plus, il a. Ouais, en fait, c'est ça. T'essayes de l'assommer et ouais. Ton. Si, j'oublie à chaque fois, je lui ai fait lancer un sort. T'essaies de l'assommer et ton pommeau de l'épée, tu vois un éclair vert au moment où tu le tapes. Et okay. Ça te repousse en fait, comme une force qui te repousse. Ok, pas sur le coup, je dis bon bah ok, et puis je m'en vais. Je fais mon déplacement et puis je vais dans la grotte à côté, enfin dans le chemin. Vas-y. Alors, tac. Moi je vais jusqu'au bout quoi. Enfin, ouais, vas-y. Ça pauvre les pommes de terre. Tu peux voir ce qu'il y a dans la pomme de terre, je peux faire une petite fouille vite fait ou pas? Mais alors attends, d'ailleurs c'est bizarre que. Comment ça se fait qu'il y a de la lumière? On voit dans celle-ci? J'ai de la lumière tout le temps moi, c'est vrai qu'il me suit. Pourquoi t'as de la lumière qui te suit? Ah, je suis quelqu'un de lumineux. Oui non mais parce que je t'ai mis la vision nocturne, mais t'es pas en. Mais je suis pas en fait dans la caverne quoi, donc y'a rien. Ouais bon vas-y on va laisser, on va dire que c'est. Bon c'est pas grave. Fais un test de Dex. Il y a un pack à patates. Pas habitué à avoir les patates. Ça me perturbe. Ça j'ai jamais dit mais je suis patatophobe. Ok. Fin de ton action. T'as deux gobelins qui te popent dessus de la salle d'à côté qui t'ont repéré. Et dans le sac à patates, y a rien par contre. Bah t'as pas le. Enfin tu peux pas le fouiller dans le sac à patates, t'avais plus d'action là. Ouais. Du coup, toc toc, t'as combien en def? 15, non ça passe pas. Ah. Passe toujours au côté de l'essentiel, babe, c'est fou. Je n'entends personne, je suis avec mes patates et mes gobelins. Gwenaël, à toi. Des patates qui font peur. Des patates germées. Ah oui, ouais, ça me fait peur. Bah moi j'essaye de parler au gobelin. Vas-y. Parce que ça sert à grand chose. Mais lui dire de se calmer et que au départ nous on voulait pas se battre. Déjà, est-ce qu'il me comprend? S'il me comprend, qu'il hoche la tête. Alors du coup je vais te dire tout de suite s'il fait ça. Il va te cracher. Ouais, il hoche la tête. Il hoche la tête? Très bien. Je vais essayer. Injonction. De l'ensorceler. Vas-y. Je vais essayer d'injonction et de lui dire. Alors, qu'est-ce que je peux lui dire? Un truc assez général qui lui fasse pas de mal. Je lui dis de demander aux autres d'arrêter de se battre. Alors, vas-y, fais ton test d'attaque magique. Attends, je trouve ça.
lui il est magique. Ok. Ok, donc tu fais ce truc là. Ok. Et du coup tu fais tu lâches du coup ou tu fais autre chose? Je lâche juste la bouche. Ouais. Mais pas le corps. Ok. Je veux pas qu'il se barre en courant, tu vois. Ça marche. C'est la fin de ton tour. Tu sauras les résultats au prochain. Ok. Est-ce que ma petite souris, vu qu'elle a vu que les autres se battaient, j'aimerais bien qu'elle se balade pour aller voir autre part. Fais ton déplacement. Histoire qu'on gagne du temps, en fait. Vas-y. Parce que si elle trouve autre chose, au moins qu'on se retrouve. Vous avez beaucoup de monde de l'autre côté ? On peut pas dire. Hein. Bah, vous pouvez pas dire. Vous pouvez pas communiquer. Chut. Vous pouvez pas communiquer. Je suis obligé de m'arrêter là. Le chef gobelin derrière, vous le voyez qui vous pointe et il pose son arme au sol. C'est un mec pour toi, ça, Gwenaël. Le warg, il est mort. Alors, le chaman, du coup. Fais-moi un test de dextérité, Gwenaël. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que le chaman, tu l'entends dire un truc en gobelin. Ouais. Et tu sens un éclair d'énergie qui vous entoure tous les deux. Ok. Tu prends 2 points de dégâts. Ok. Mais ça fait mal, hein. Tu vois que vous avez pris tous les deux les dégâts. Visiblement, il a lancé un sort sur vous deux. Ok. Et du coup... Attends. Tu lâches le gobelin. D'accord. Déterre à toi. Ok. Moi, j'avance. Je vais Le gobelin, le chef, il vous parle, il essaie de vous dire des trucs. Il a posé son arme au sol, il a posé ses armes au sol. Mais il parle en quoi ? En gobelin. Et il lève les mains. Il lève les mains genre en signe de paix un peu. Mais du coup on n'est plus en combat. Ah bah ça dépend si vous. Non, vous êtes pas forcément pas spécialement gobelin, non. Vous pouvez agir si vous le tapez pas. Ok, bah, moi je propose que s'il a mis ses armes au sol, qu'on écarte ses armes de lui et qu'on lui propose de s'asseoir pour parlementer. Pour essayer de se comprendre. Alors, Déter, toi tu comptais faire quoi? Je prends les armes. Ok. Les éventuelles armes qu'il a sur lui. Tu les écartes de sa portée, c'est ça? Ok. Et tu le maintiens en joue, mais tu le tapes pas? Non. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir du combat d'Ether, Sioban et Silno. On va résoudre le combat en haut et puis on revient vers vous. Ok. Et je peux me déplacer pour aller dans la petite salle avec Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Bail à toi. Alors du coup, moi, j'attaque celui-là. Vas-y. Donc, coup de rapière. Ok. Tu le plantes. Le planter, il est mort ou je le plante? Ouais, tu le plantes, il est mort. Okay. Et attends, je jette 2 dés. Ouais. Je t'autorise une autre action contre l'autre. Vas-y, une autre attaque dans la même foulée. Allez hop. Oh, ça passe moins. Ok. À lui. Ok, ça touche. Tu prends 3 points de dégâts.
Gwenaëlle, à toi. T'es dans le noir. Enfin, pour toi, t'as pas la vision. Moi, là. Je vois pas grand-chose. Ouais. T'as viré ta chauve-souris. Thomas, il... Ouais. Enfin, Bale t'éclairait. Mais du coup, non, là, tu vois plus rien. Ouais, je vois plus rien. Parce que je fais... bah, j'ai pas le choix. Ça va être une position défensive complète, là. Vas-y, ça marche. Voilà. Et ma chauve-souris, elle continue à avancer. Ok, vas-y, fais ton déplacement avec ta chauve-souris. Hop. Mais elle est toujours discrète et en hauteur. Hein. Ok. Oh putain. Ok. Il y a encore 3 wargs. Oh putain. Ok. Tu t'entends une incantation et un éclair d'énergie qui te touche en pleine poitrine et qui t'expulse dans la salle du bas. Tu perds 3 points de dégâts. Je meurs. Ouais, 3 points de vie. Je suis morte. Bah, tombeau, c'est notre tombeau. Est-ce que j'ai entendu... Bah, du coup, moi, je suis morte aussi. J'ai entendu... Gwenaëlle, fais-moi un tomber, test de perception. Difficulté 15. Non. Non. Eh bien, du coup, je me concentre sur le deuxième gobelin. Et je l'attaque. Oh, putain. Je pense pas. Et à quel moment est-ce qu'on lui rate aussi. Vas-y, à toi, autre action. Okay. On fait rapide. Ah, très bien, très bien. Tac. Ok, tu l'exploses. Je fouille vite fait dans le sac à patates. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à part des patates? Que des patates. Que des patates. Elles ont l'air bonnes, les patates? C'est des patates. Dans 7 minutes, faut qu'on stoppe. Donc. Eh bien, du coup, je prends 2 patates et puis je cours. Où? Vas-y. Je cours, je me tombe face au gobelin. Ouais, il est en train de bouffer des champignons et il s'occupe plus de toi là. Ok, et bah je m'en fous et puis je vais voir Gwen. Ok. Et là, alors la question est, je peux faire donc des premiers soins? Ouais. Tu peux faire des premiers soins pour la stabiliser ou tu peux directement lui donner des soins magiques, une potion, une gorgée ou une baie et ça lui rendra tout de suite des points de vie. J'ai plus de potions. Ok. Les baies quand vous voulez te les donner. Non, mais pour le coup, non, je vais la stabiliser. Ok, parce que c'est plus RP, test de sagesse ou d'intelligence. Difficulté 10. Clairement, ça sera la sagesse. Ok, tu la stabilises. Voilà, je stabilise. Et en même temps, dans la panique, je la fouille. Mm-hmm. Et on l'a volée. Je sors une sa potion et puis je lui fais boire la potion. Ok, bon, tu sais, je te fais pas faire de jet pour ça, tu savais où étaient ses potions. Ouais, je fouille, dans son truc. Oui. Vas-y. Lance les dés, ouais. Non, tu vas le faire. C'est quoi, tu vas le faire pour elle. C'est un D6, c'est ça? C'est un D8 plus 8. Un D8 plus 5. 5. Oui. Plus 5, hein. Putain, c'est énorme. Oui, bah du coup c'est tranquille, c'est bon. Plus. Ok. Plus 5, tu pètes la forme, quoi. Ok. Donc tu récupères et je suppose que vous rejoignez les autres ou pas? Vous avez vu où ils étaient allés ou pas? Non, pas spécialement, mais. Ah, je sais où ils sont, donc tu peux me suivre. Ok, bah je la suis. Allez. Il y a des esprits. Oui, donc, voilà. On accélère un peu parce que du coup, on va bientôt devoir stop. Vous voilà dans la salle du chef. T'as vu mon whisper, monsieur le G? Vas-y, fais ça. Il y a pas de problème. Je vous laisse gérer ce truc-là, Silno, avec Shoban. Je t'ai fouillé pendant que t'étais inconscient, Shoban, pour trouver une baie et t'administrer une baie pour te réanimer. Et du coup, c'est à moi de lancer les dés pour la baie ou c'est Silno qui va le faire. Ok, un D8, c'est ça? Non, un D6 plus 1. Fouillez la salle. Donc là, ils sont en train de parlementer avec le chef qu'ils ont neutralisé et. Le chef, donc du coup, il essaie de dire, il tient les mains comme ça en l'air, il essaie de dire des trucs. Puis vous voyez qu'il hurle un truc, il hurle un mot, il fait Bagdaba comme ça, en se retournant vers l'arrière. Et
au bout d'un moment, au bout de quelques, quoi, une minute et demie, il y a une femelle, femelle goblin qui arrive. Et du coup, tous les deux, ils sont en train de d'échanger en gobelin. Et du coup, elle commence à vous parler. Et elle vous dit, moi, parlez-vous. Ok. Et du coup, on en profite tout de suite pour lui demander s'ils ont un garçon, si c'est eux qui ont enlevé un garçon au village. Donc elle comprend pas, elle fronce les sourcils, elle comprend pas de quoi tu parles. Quoi dire ? Enfant humain. Ici. Erval, enfant humain. Ici. Qui enfant ? Moi je prends la. Est-ce que je peux essayer de lui mimer ? Vas-y, vas-y. Dessiner dans le table. Donc je suis un peu mal en point parce que je viens juste de manger une baie, mais je m'approche d'elle et puis voyant qu'on n'arrive pas à communiquer parce qu'on parle pas la même langue, j'essaie de lui mimer finalement ce qu'on essaie de lui demander. Ouais. C'est-à-dire si elle a vu un petit garçon. Fais-moi un test de charisme. Je fais des gestes avec mes mains. Vas-y, fais-moi un test de charisme. Charisme. Ok. Nabo. Non, pas Nabo, enfant. Merde. Pas aimé, Nabo. Je recommence à les explications. Est-ce que je peux refaire un jet? Non. Bon, tu passes un peu de temps à essayer de te faire comprendre. Et elle comprend. Elle fait Lucky. Oui, Lucky. Lucky. Moi, gentil. Fils de moi, ami vous. Ami Lucky. Mon fils, ton fils. Mox et Lucky. Non. Ah putain. Lucky est où? Où est Lucky? Où? Lucky. Où Lucky? Moi, pas savoir. Pas ici. Pas ici. Ah. Ton fils, pas ici. Je peux couper le champignon. Vas-y, tu peux. Hein. Tu me feras un jet de constite derrière. Très bien. On fouille déjà tous les cadavres qu'on a fait jusque-là. Hein. Non, mais surtout, moi, la chauve-souris, elle a vu d'autres gobelins. Ouais. On a défoncé 6 ou 7 gobelins, enfin, je sais pas combien, pour rien. Elle nous dit que le gamin il est pas ici. Rien à faire ici. Ton fils, ami Mox. Non. Moi dire langue, Mox. Mox, c'est quoi Mox? Mox, fils moi. Ah. Et Mox, c'est un ami à Lucky. Ami Lucky. Ah. Est-ce qu'elle on peut parler à Fox? Il est où Mox? Mox, pas ici. Fuir. Fuir où? Moi penser voir Lucky. Moi pas knock knock. Moi pas crainte creux. Moi knock knock. Knock knock. Chassé par crâne creux. Et elle montre le chef. Et elle fait chef de moi là. Et elle montre le crâne, okay. Sur un pic. D'accord, ok. Mox, donc elle est captive, pas vouloir partir, enfin... pas vouloir fuir. Dire rejoindre Lucky. Moi attendre ici. Fils de moi pas ici. Moi attendre ici. Pas partir. Pas fuir. Ok. Ah. Elle veut pas partir parce que son fils est pas là. Elle attend que son fils revienne. Et pourquoi il reviendrait en fait? Il est pas mort? Il l'a pas buté son fils? Ou alors il est quelque part dans la grotte. Emprisonné ou je sais pas. Est-ce que je peux faire un point de un PR, un point de restauration? Oui.
C'est combien de points, c'est ça que ça me fait prendre? C'est, je crois, bah, je te dirais ça, mais oui, je crois que c'est un dé de vie plus le niveau plus le score de constit, ou un dé de vie plus le score de constit, je sais plus. C'est ça, c'est ça. Bah, je le fais là ou tu veux que je le fasse plus tard? Enfin, c'est pas grave. Vas-y, tu peux le faire là. Est-ce qu'on peut lui demander son prénom à elle? 8. Moi, Bagdra. Bagdra, tu es prisonnière? Oui. Moi, capturé par Crâne Creux, oui. Crâne Creux, c'est le mec en face de nous. Ouais, c'est le mec en face de nous. Ouais. On peut le buter, hein. Si on te libère, tu nous montres où est Luki? Moi, pas savoir où Luki être. Pas ici. Pas ici. Mox, pas ici. Mox parti voir Luki. Dehors grotte. Hors grotte, d'accord. Moi, pas savoir où être. Quand est-ce qu'il rentre? Moi, pas savoir. Si on tue Crâne Creux, est-ce que les autres arrêtent de nous attaquer? Regarde le chef. Il y a l'échange en gobelin avec le chef. Elle regarde la bête derrière elle. Et elle dit vous tuez. Attends, comment il s'appelle déjà? Vous tuez Cronui. Hein? Bête Cronui, de... c'était le Wang? Bête de chef colique. Lui, peur de vous maintenant. Trop fort, vous. C'est bon, donc, ok. D'accord. Okay. Pas taper. Et ben, demandez liberté. Demandez vie. Est-ce que, est-ce que Crâne Creux sait où est Luki? Lui dire, pas savoir, lui pas prendre ça, pas prendre enfant humain. Okay. Et Mox, il serait où? Mox parti. Est-ce que Crâne Creux le sait? Mox parti avant. Ok. Elle a dit or dans la caverne. Quoi? Or caverne. Oui. Elle peut nous y amener? Elle sait pas où c'est. Non, en gros, elle sait pas où est son fils. Elle a. Ouais, elle sait pas où est son gamin. Non, elle a juste dit qu'il est parti rejoindre Luki. C'est tout. Ok, d'accord. Et dans la caverne, est-ce qu'elle peut nous dire s'il y a d'autres dangers? Quoi être danger pour vous? Oui, le chef. Est-ce que le chef accepterait de venir avec nous? Moi, je le bute, hein. Le chef, je l'attaque. Ah ouais, d'accord, cash. Bah, vas-y. Bah, moi, j'ai une question. Je m'interpose. Imaginons, c'est Simodine qui sait suivre les traces. Je sais plus comment elle s'appelle. Bagdra. Elle nous donnait, je sais pas, un objet ou un truc qui appartenait à son fils, on pourrait pas, je sais pas, bah, c'est un chien de l'île. C'est pas un chien truffier, hein. non. Je dis, mais quel est con. Non, c'est trop loin. Est-ce qu'elle sait au moins dans quelle direction il est parti? Non, elle sait pas. Okay. Et peut-être que les autres gobelins sauront. Donc si on tue pas le chef et puisque de toute façon maintenant ils ont la trouille de nous, on pourra peut-être les interroger et par son truchement à elle savoir ce qu'ils nous disent, ou le chaman. On peut très bien laisser le chef là et puis on peut faire croire aux autres qu'il est mort, quoi. Là, de toute façon, il reste 5 minutes avant les 23 heures. Donc, grosso modo, pour abréger, ouais, on va faire un... Comment dire? On va faire un sorte de résumé, en fait, de clôture de cette scène. Si vous voulez, pour être certain, le chef, il regroupe tous les gobelins de la grotte, voilà. De toute façon, ils savent pas parler commun, les autres. Il y avait que elle qui savait parler, et il y a le chaman qui sait parler un peu, mais le chaman est complètement barré. Lui, il l'a laissé là-bas parce que de toute façon, il est allumé. Personne sait pour Luki, ils en savent pas plus. Vous avez les infos qu'ils avaient. C'est Bagdra qui savait le mieux pour ça. Vous
Juste ici, il y a un rideau en fait. Ouais. Et du coup, derrière, il y a le trésor des crânes creux. Et dans le trésor, vous trouvez, je vous le dis, mais je vous le marquerai sur Discord pour vous partager. Vous trouvez toutes sortes de fourrures. Qui ont, en tout, ça vaut une dizaine de pièces d'argent de valeur. Un coffre contenant 100 pièces de cuivre, 100 pièces d'argent et 5 pièces d'or. Quelques jolis morceaux de quartz. Dans une étoffe, une fiole est emballée. Elle porte des runes à demi effacées. Fais-moi un test de difficulté 10, s'il te plaît, d'intelligence, Gwenaël. Il y a deux arbalètes de points, quelques dizaines de carreaux, une cotte de maille, une chemise de maille, un casque, une lance, deux épées courtes. Tout ça c'est ordinaire. Et du coup, la potion, tu identifies que c'est une potion de flou. Magicien rang 3 de la voie de la magie protectrice, du coup Gwenaël. Je vous remettrai tout ça de toute façon sur Discord pour que vous ayez bien. Voilà, et du coup. Je crois que c'est Déter qui avait récupéré les armes du chef. L'épée qu'il avait, le colique, c'était une épée de belle facture, pourvue d'une lame en laenk et ornée d'un rubis sur le pommeau. Bah ça je vous dis pas. Par contre, elle fait plus 1 en attaque et elle éclaire dans un rayon de 3 mètres. Ah cool. Ah, trop bien. Voilà. C'est bien pour toi, ça, Déter. C'est une épée longue. Okay. Bon, niveau description, c'est quand même pas top quand il fait nuit. Hein. Donc c'est 1 des 8 plus 1, mais à l'attaque, pas au dégât, attention. Hein. Donc je vérifierai sur ta fiche de toute façon. Si c'est toi qui l'as. Tu pourras le mettre sur Discord. Ouais, je mettrai aussi, ouais. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Ok. Et du coup, on va débrief rapidement, comme ça on reste dans les temps. Donc j'ai un peu accéléré la fin, mais pour qu'on termine et qu'on ne perde pas du temps sur des trucs qui n'ont pas trop d'importance, que vous tourniez en rond pour rien. Mmh. Alors, qu'avez-vous pensé de cette soirée? De l'action. C'était cool, un petit donjon. La bagarre. Non, c'était bien. On est un peu perdu là dans la grotte, mais... On a perdu un archer, on a retrouvé deux, donc c'est bien, hein, donc c'est pas mal. Bon, en tout cas, vous avez fait du ménage, parce que, attends, là, des gobelins, vous en avez buté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous avez buté 18 gobelins et un warg. On pourra considérer qu'on les a fouillés. Édition punitive. Bah si vous voulez, oui, je peux vous considérer aussi. Ouais. Ok. Tu pourras nous mettre les butins, ouais, sur le Discord. Ça marche, je vous mettrai ça. Je vais noter 18 gobelins, comme ça c'est fait. Voilà. Et un sac à patates. Ouais. Mais je vous laisse accrocher des patates, moi je peux plus. Hein. Ok, bon, et ben du coup, Silno, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'en ai pensé que c'était bien, j'ai failli mourir une fois, j'ai été inconscient en plus une autre fois. C'était pas mal, j'espère que je vais m'améliorer à l'arc parce que c'est quand même pas ouf. C'était intéressant aussi d'être en deux groupes, c'est un peu séparé dans la grotte, ça donnait un sens un peu particulier à la partie pour le coup. Ouais, bah je m'y attendais pas du tout, mais ouais, tout à fait. C'était intéressant. C'était marrant parce que du coup vous attaquez les deux pièce un peu dangereuse du truc, genre la caverne du cherf plus la caverne du chaman, en même temps et de manière séparée. Je me suis dit putain, mais ils vont réussir à wipe complètement quoi. Et en fait, ça va. Non, c'était intéressant. Après, j'espère qu'on va trouver une piste à notre histoire parce que on est loin dans du sujet et on sait pas trop où on va pour le moment. Quoi. Ça se trouve, c'était avec les buffles, enfin avec les bœufs. Bah, si ça se trouve, ouais, on est peut-être complètement perdu, quoi. Voilà, c'est sûr. Ça, c'est à cause de la chauve-souris qui m'a dit qu'elle avait pas vu de bête rose. Ouais.
Ouais, si bah, si ça se trouve, le petit enfant. En fait, c'est pas, voilà. C'était marrant sur le coup parce que je t'ai dit les trucs comme ça, mais en fait, t'as vu très clairement avec les yeux, à travers les yeux de ta chauve-souris, puisqu'en fait, en regardant un peu après, j'ai plus compris comment marchait la chauve-souris dans Sorceleur. Et t'as pas vu d'enfant. Elle utilise ses sens, en fait, ouais. D'accord. Donc la chauve-souris, elle n'utilise pas les yeux, elle fait avec son espèce de sonar là, mais. Du coup, elle n'a pas identifié d'enfant. Ok. Sioban. Bah, c'était cool. C'était sympa les phases de combat, même si on est un petit peu faible, on va dire au GFD. Bah souvent Donjons et Dragons, c'est dangereux, c'est au début souvent parce qu'on peut mourir facilement quoi. Ouais. Donc, il y a un peu des phases critiques au début, surtout que moi, ce que je disais à Thomas justement, c'est que à la fois on utilise un jeu qui est un peu simplifié, Chronique Oubliée, qui est quand même pas mal, dans lequel on peut ajouter facilement de la complexité, mais en même temps moi je joue un peu à l'ancienne aussi sur certains trucs, donc vous aurez pas des personnages effectivement optimisés de dingue, ça sera des personnages qui ont beaucoup de caractère, c'est-à-dire qui sont très comment dire, qui ont leurs qualités et leurs défauts. Ouais. Donc c'est un peu plus difficile comme façon de jouer. Non mais c'est cool. Justement, c'est pas facile et il faut bien s'imaginer qu'on débute quoi. Donc finalement, c'est cohérent. Et est-ce qu'à titre personnel, je peux te poser une question ? Vas-y. Par rapport au point de vie, tout à l'heure, je me suis pris des dégâts et j'étais inconsciente au sol. Ouais. On m'a fait bouffer une baie et j'ai regagné des points de vie. Ouais. Mais est-ce que les points de vie que j'ai regagnés, est-ce que. Je regagne. Alors, la baie rendait 7 points de vie. Est-ce que mes points de vie sont à 7 ? La baie te rendait. Avec les dégâts, j'étais à moins 3 points de vie. Oui, bah normalement, t'étais à moins 3, mais non, c'est comme si t'étais à 0. Okay, donc, moi, je t'ai remis les points de vie parce que tu l'avais pas fait, donc j'ai mis machinalement. J'ai mis plus 6, mais non, faut que tu remettes le bas 7 en fait. Mm. De vie, voilà. Gwenaël, bah, c'était cool avec la fronde. J'ai quand même l'impression de servir plus à quelque chose, quoi. C'est clair. Donc, en plus, j'ai eu du bol. Moi, pour le coup, les jets de dés, ils étaient plutôt bien. Donc, Donc c'était cool. Plus 4 que moi, quoi, donc, Puis là, la chauve-souris, elle a été utile de dans une grotte, ouais, c'est de clair, voir avant, quoi. Ouais, voilà, de voir avant tout le monde. De s'insérer dans les petits chemins et tout, donc c'était cool, vraiment j'ai bien aimé. Et ouais, le truc d'être séparé, de voir des choses différentes et tout, c'était intéressant, j'ai bien aimé. Voilà. Ok, Bale. Allez, au bout de champignons et voleurs de patates. doucement, je suis une voleuse, hein, je crois. pareil, c'est vrai que c'était bien, côté que de l'action, ça change, c'est pas mal. Hein. Et du coup, moi, j'ai bien aimé ma petite pause, ma pause champignon avec le chaman. Mmh. La discussion n'a pas abouti, peut-être qu'elle aboutira plus tard, on fera une compète de champignons, je ne sais pas. Mais non, j'ai bien aimé et du coup c'est, tout est bien pour moi, quoi. Ok. J'ai réussi à sauver Gwen, alors forcément ça va bien, ça va mieux. Déter. Pour le level up, ça se passe comment ? C'est maintenant ou... Parce que là, on a quand même buté une quarantaine de gobelins. Hein. 40. 18 hein. L'exagération. Attends, on dirait Getno qui est là. Révolte. Non, mais c'est, je te dirai. T'inquiète, je te préviendrai. Je t'enverrai un SMS. Suspense. Ok. Non, mais après, c'est marrant d'avoir les coéquipiers qui vont... à la cuillette de champignons, qui vont aller chercher des patates. Tu sais pas encore, tu sais pas encore. On se fait dérouiller. Vous savez pas que j'ai encore plus ça. Je le cache. Ouais, bah clairement. Ah, c'est une équipe marrante. Il aurait pu crever 10 fois, mais non, il est pas mort, bizarrement. Là, le cul bordel de nouilles. Là, il y a. Le système du coup, il y a Inodine, Sioban et Gwenaël qui sont morts quand même. Et qui vont. Oui. Ouais. Pas mort, on était inconscient.
Et ça donc, c'est okay, sympa okay. De ce système de, d'inconscience, que ça met un peu de piment du coup au truc. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pris, ça c'est pas dans les règles de Chronique Oubliée, je l'ai pris de Donjons et Dragons, cette règle-là, parce que dans Chronique Oubliée, je trouve pas... J'aime pas trop la façon dont est gérée la mort, parce qu'en fait, grosso modo, t'es inconscient, et si t'es pas soigné dans l'heure, tu meurs. Et si... Comment dire ? Si quand tu reviens, quand on te redonne de la vie, tout est jet de dés pendant un jour jusqu'à ce que tu fasses un repos long, c'est avec un D12. Ah ouais. Alors déjà que vous en ratez pas mal, moi je trouve ça hyper frustrant de jouer avec un D12 quoi. Enfin je sais pas, tu montes un perso, ouais. C'est pas pour jouer un perso à 50% de sa force, enfin je sais pas. Donc moi c'est pas trop mon délire, je préfère un truc voilà où bah après c'est plus réaliste. C'est sûr, mais je trouve ça au niveau de gameplay, je trouverais ça trop frustrant. Enfin, je sais pas, ça me plaît pas. Je préfère avoir un truc où il y a une tension parce que tu sais pas si tu vas mourir ou pas mourir. Il y a vraiment une tension qui se met plutôt qu'un truc où bah tu joues ton perso, t'es puni parce que bah t'es mort et donc du coup pendant la journée t'es puni quoi. J'aime pas trop ça. Voilà. Bon, sinon après on aurait pu faire mort direct hein, mais bon là il y avait 3 morts hein. 3 persos, persos à recréer à la 4ème partie 3ème je sais plus ouais. Oui effectivement. Ok oui. Bon bah ça le marche. Le jambon était mauvais ou pas? J'ai mangé le jambon Non c'est bon, t'es pas empoisonné. Non t'as fait 12, si t'avais fait moins il y aurait eu des conséquences, t'aurais chopé une maladie. La débilité aiguë. Une maladie qui ne peut se soigner qu'avec les baies de Seuban. Moi, je resterai débile tout le temps. Hein. Tant pis, hein. Ah bah merde. Hein. Ok, bon, et ben 23h08, contrat rempli. Et du coup, bis à tous. Et puis à une prochaine, alors pour la suite. Ouais. Merci bien, à bientôt, bonne soirée. Ciao, bye bye.